et Hippolyte Jamercier. Vision Sport Magazine, c'est le football, le tennis, le basketball, l'athlétisme, la natation. Un résumé complet de toute l'actualité sportive de la semaine, tant qu'en Haïti et à l'étranger, avec les plus grands analystes et chroniqueurs sportifs. Tous les dimanches de 2h à 5h sur Saint-Louis-du-Nord TV et Radio Vision FM avec Wilfried Brutus et Hippolyte Jamercier. Vision Sport Magazine, une autre façon de présenter le sport. Étendez-nous et nous retenons pour nous retrouver nous à l'espace de Vision Sport Magazine. Et nous avons remercié l'architecte Denis Vertessel permettre nous capables présents après 5 jours et que nous sommes couchés, nous allons porter nous bien, mais en quelque sorte nous présents et dans l'espace là pour nous venir présenter vos émissions c'est là qui c'est Vision Sport Magazine 3 de près. C'est le Nord Point TV, Audionard, 1-631-856-92-72. VMH, Radio Voix, merci Hippolyte, dans la cour New York, notamment dans la cour Spring Valley, hein, Radio Model de EZTC dans Valley, hein, dans la cour Brooklyn, Queens, Long Island, Radio Télénago de France Nago. Et Haïti Best Radio de l'ingénieur d'Aguisson Pierre. Et on a tout profité, monsieur. Et souhaiter l'ingénieur d'Aguisson Pierre bon rétablissement. Monsieur lui-même qui souhaite faire un accident là. Et en quelque sorte, nous espérons que l'ingénieur d'Aguisson Pierre est capable de retrouver santé. Premier lit, ingénieur d'Agui, nous souhaitons bon courage, mon ami. Mais donc, les amis radio FVMH dans le pays d'Haïti, Précision FM de Jackson Prédestin à Saint-Louis-du-Nord. La Caïno, Radio Réflexion Inter, 93.7, directeur Nemchirut, directeur Louben Joseph. Prin qui pourra dominer l'espace là, mesdames et messieurs. Nous parlons là pour nous, ça est concerné du championnat national de la première division dans le cadre 4e junior match avancé et qui fica du Cabahitien. Et hier soir, dans le stade Silvio 14, il est tombé devant l'équipe Cosmopolite. Il y a un goal à 0. L'équipe FIGA lui-même qui se route là de 2e division. Est-ce que ça va arriver fait? En quelque sorte, FIGA lui-même qui a un pile problème. Et surtout, il y a un bon joueur qui a opéré, mesdames et messieurs. Et vraiment, qui c'est Ronaldo Meda. Et bien, nous sommes là pour nous retourner dans le cadre de 3e journée. C'est tout le résultat qui était effectué, notamment. Et nous avons gagné l'équipe AS Malais AKAO même qui était arrivé faire matin 0 pi partout. Et nous avons pris son coup de pied au niveau de la deuxième division les mêmes qui entamait. Et écoutez, nous avons gagné le résultat qui était effectué hier soir. Mesdames et messieurs, surtout l'équipe Exafoot même qui est imposé
devant l'équipe AS Delma. On a fait de 2 goals à 1. Et nous avons gagné là tout l'équipe Port de Paix même qui tombait. Et Port de Paix même qui tombait devant Vapo FC de Wadamet. 3 goals à 0. Et Vision des Fontaines droit 2 goals à 0. Et côté d'après, différents rencontres qui parlent pour jouer. Je veux dire, si tout n'a pas gagné là, équipe ADSL de Saint-Louis-Dinon, équipe La Caillan, il y a pas l'aller, la Caille, équipe Limbé, FCA, mesdames et messieurs, dans le cadre première génie, série retournant, mesdames et messieurs. Donc, n'a pas gagné là pour nous de la sélection haïtienne de football après Mathilde qui ont été fait devant l'équipe qui a soi. Dans le stade Silvio 14, il y a Martin Salim même qui va régler, causer et sélection haïtienne lui-même. Vraiment, il y a une sélection haïtienne lui-même, il y a sur route pour Ligue B, hein, mesdames et messieurs. Puis donc, nous avons là pour nous sélection de moins de 17 ans. Match débarrage pour ça y concerner en quelque sorte sélection de moins de 23 ans. Nous avons là pour jouer match débarrage ça. Avec l'équipe Babadla et pour 22 septembre qui a venu là dans le stade Silvio 14, est-ce que Haïti eux-mêmes nous pourrons arriver qualifiés pour Massa et nous ne connaissons maintenant quelque sorte, nous ne parlons pas de nous connaissons vraiment et comment rencontrer ça lui-même, il va dérouler dans le stade Silvio 14. Et puis nous avons là pour nous, bon côté mesdames, là, côté sélection senior eux-mêmes, nous parlons là. À partir du 3 octobre qui a venu là dans le stade Silvio 14, je parle pour jouer avec l'équipe Suriname là, dans ce qui concerne l'éliminatoire Jeux Olympiques Tokyo 2020, mesdames et messieurs. Donc, nous avons là pour nous soutenir à l'étranger, notamment nous avons là pour nous soutenir dans ce qui concerne l'éliminatoire Euro 2020. Et surtout, nous avons une équipe Portugal, nous avons imposé devant l'équipe lituanienne, Singola, et surtout avec Cristiano Ronaldo, monsieur lui-même, qui était marqué du quadruplé dans le compte là. Et Cristiano Ronaldo, monsieur lui-même, vraiment là, et qui a target iranien là pour ça y concerner le meilleur buteur de tous les temps dans ça y concerner sélection. Confondu, mesdames et messieurs. Et puis, donc, nous avons là pour nous faire la ronde de stade. Et côté nous parler là pour nous venir avec différents championnats européens, notamment notre pays, l'Angleterre lui-même. Côté nous gagner là, équipe Chelsea eux-mêmes, nous font une importante victoire devant l'équipe Auvergne en tournant 5 goals à 2. Manchester United, Leicester City, un goal à 0. Et puis donc, de gagner là, Tottenham eux-mêmes, qui est posé devant l'équipe Crystal Palace, 4 goals à 0. Et puis donc, notre pays, la France lui-même, Neymar. Et qui arrivait, je première rencontre là pour l'équipe Paris Saint-Germain et monsieur lui-même dans fait rencontre là dans temps additionnel monsieur lui-même qui était arrivé permettre à l'équipe Paris Saint-Germain même était arrivé faire victoire ça en quelque sorte en patinant stade là même dans parc des Princes on t'a chuchoté vraiment là concernant de Neymar et talent de Neymar on va capable mettre ça de côté Neymar t'a mal permettre à l'équipe Paris Saint-Germain même était arrivé faire victoire ça et puis donc non pas l'espoir et Fati lui-même et jeune joueur ça lui-même monsieur lui-même qui a prouvé talent là en dans équipe FC Barcelone et côté monsieur lui-même qui était arrivé marqué très tôt à la deuxième minute de jeu pour équipe FC Barcelone et surtout avec talent Fati monsieur lui-même vraiment là il était exposé. Équipe Valence, mesdames et messieurs, dans le championnat d'Espagne de football. Real Madrid qui était arrivé faire victoire par eux. Mais non, pas l'Italie lui-même, Juventus lui-même, qui était arrivé faire match nul. Victoire de l'Inter 2000 ans. Et puis, nous avons là pour nous de. Ça y concerne le basket. Coupe du monde de basket. Côté sélection espagnole de basket là eux-mêmes. Vraiment là, ils ont dicté le royaume là. Et puis, donc, eux-mêmes qui arrivent qui ont un deuxième titre. Dans ça, il concerne la Coupe du Monde de basket, imposé devant l'Argentine. Mesdames et messieurs, et qui s'est tout qualifié pour Giro 2021. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ça, avec un pilote encore qui va le faire. Essentiel émission par World. Et qui fait Vision Sport Magazine avec Zimpa ou le football. À l'antenne, dans ça, les tous les amis, toutes les fatigues qui ont suivi nous.
de près ou de loin, nous content pour nous retrouver nous dans espace là, puisque c'est espace pau, espace où après ça puis là et d'apprendre de nous là, capable continuer partager émission, hein, inviter des amis et pour capable suivre émission là, puisque c'est émission pas nous, émission que nous apprécions puis là les mêmes moyens pour nous supporter émission les mêmes, c'est continuer partager émission, hein, inviter vos amis et vos fanatiques vraiment. Pour capable suivre émission c'est là puisque c'est émission pas nous émission que nous apprécier en plus long et nous capable continuer partager émission là vraiment là et c'est ça que nous capable faire et là nous faire ça les mêmes vraiment là et nous permettre émission les mêmes capable aller vers l'avant n'a pas les toutes amis là toutes fatigues vraiment qui a suivi nous de près ou de loin nous content pour nous retrouver nous dans espace là puisque c'est espace pas nous espace que nous après ça, là les mêmes, c'est que nous avons 10 000 avec ça, Bruno les mêmes, qui belle et bien marché depuis la République Dominicaine. Et nous avons là le directeur Grégory Pierre, depuis Cap Haïtien. Et nous avons là et notamment et PDG Panoran, PDG EZ Toussaint, depuis New York, les mêmes qui belle et bien connecté. Et puis nos amis là, et qui a suivi nous là, et n'a pas demandé nous là, nous capables de continuer à partager l'émission. Invitez des amis vraiment pour capable suivre l'émission, c'est la prière, c'est l'émission pas nous. Émission que nous apprécions, puis là, et n'a fait présent, mesdames et messieurs. Mais pas oublier, vous capable toujours continuer à partager l'émission. Invitez des amis vraiment pour capable suivre l'émission, c'est là. Et pas oublier, et visez sur le magazine, et t'es venu à l'unique barbershop de la mission British. 10-12, notre 9e avenue, ça y concerne. Et vous pouvez capable checker avec l'unique barbershop de la mission British. 954. 816-22-85. Et puis donc, pas oublier, check avec de Pandemon Realty Inc. Du frère Richard Messignor, qui est dans 2800 West Oakland Park Boulevard. Et Maxon Enterprise, pour ça concerner un policier assurance de vie ou santé, vous êtes capable de checker avec Maxon Enterprise. Nous proposons d'appuyer tout de suite pour les détails, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde, allez ça, pire toujours, Max One Compagnie Port pour affaire Obamacare à taxe. Numéro 1, Obamacare tout au cours de l'année. Nous pas camper, affaire Obamacare en seul numéro, 954-909-5123. Pour aller ça, c'est son taxe. Ou gagner pour qualifier pour up to $6,000, $6,000 advance tax time loan. Rélez-nous sous besoin d'assistance dans ça. Ou gagner si vous avez taxe ou crédit taxe ou doublé. Rélez Max One.
tête li pour le kakoul. N'ap kon gage nan n'importe poule. Pas besoin le kaïdja pour n'bay bon boule. Depuis Haïti écrit sous papio. Pas jamais baisser tête en sous trois bio. Fem sa c'est force là, chante babio. Eviti, souviens de drapeau. Venir les femmes dans des voies nous mêlés. Depuis c'est Haïti qui la mène connaît l'autre mêlé. Fais pas pour des lèvres, on fait l'équipe nous mêlé. Eviti, on doué les grenades qui font ta boule mêlé. Olé, olé, olé. Pote volé, olé. Frappé, mène, flotte drapeau. Pote gâteau, pote gola. Mettez tête li pour le kakoul. N'a pas qu'on gagne dans n'importe poule. Pas besoin le kaïdja pour le bon boule. Depuis Haïti écrit sous papio. Pas jamais baisser tête en sous papio. Fem sa c'est force là, chante papio. Eviti, souviens de drapeau. Mesdames et messieurs, nous de retour après Prozlan. Pablo Yossive, émission Parouan qui fait. Vision Sport Magazine avec Zé Paul Wilfried British à l'antenne, la salle de tous les amis. Et toutefois, si vous cassez nous de près ou de loin, nous content pour nous retrouver nous dans l'espace là, la salle de tous les amis là. Et toutefois, si vous cassez nous de près ou de loin, et toute station partenaire nous content pour nous retrouver nous dans l'espace là, toi de près. Et c'est le nord Pré TV Audio Now. S631-856-92-72 FVMH Radio Voix Mercier Hippolyte Radio Moderne de Ezetou Sénévaléa directeur Abela Télémaïque La Madame et Bolo et Funky et Ethnitassi et Dominique et nous souhaitons bonne fête Zami Pam et dirigeant Radio Télénagoyo. Et nous saluons tout Fouet Nago, Lionel Labadi et tout Saf Nago, nous saluons. Bon, et Medvede a fait pardon des modèles, c'est un autre bagaille et nous saluons. Bon, et nous avons souhaité bon établissement à l'ingénieur Dagison Pierre et tous les amis, tous les fatigues, qui assistent de près ou de loin. Nous comptons pour nous retrouver nous et ça qui nous a demandé nous, nous capables de continuer et partager l'émission Silla et nous remercions Architecte là. De l'univers de se permettre nous capables présents et malgré que nous capables de nous capables de nous à 75% nous avons fait plus de 4 à 5 jours couché là et nous avons attaqué par une grippe mais en quelque sorte nous avons battu avec grippe là et nous avons pris un carbone en quelque sorte et nous comptons pour nous retrouver nous dans l'espace là qui c'est Vision Sport Magazine directeur Greg. Et qui a fait un travail tout à fait intéressant. Nous saluons Greg, Zami Pano, Ricky Louis, depuis Mexique, Edouard Obou, qui a suivi nous là. C'est ça. Et nous avons la police Pano, et Woody Eugène, qui a suivi depuis Miami. Dilmex, Bruno, nous saluons Zami Pano. Nous avons la Ludger, Beau Séjour, qui a suivi nous là, qui branché. Nous avons Pierre Dazema Yves. Depuis Nas Obama, c'est tout un minute, tout fait, qui a fait nous de près ou de loin. Et ça qui nous a demandé nous là, et continuer à partager l'émission. Et à chaque grand ami qui est connecté, il est bon pour nous partager l'émission. Allez nous partager l'émission et nous permettre l'émission lui-même aller vers l'avant. Parce que moi, je ne vais pas faire tout le bagage pour contre moi. Je vais être pas nous, sans être pas nous. Nous ne sommes pas capables d'avancer au jeu de la guerre. Et nous saluons au jeu de la guerre depuis New Jersey. Et Donald Calix en forme en forme, mais nous saluons pour le pas, mais il a Jim en quelque sorte Bruno depuis Paris, nous saluons Bruno, pour les gens merci, et vos chéris, vous devez se dire, et Alain Jean-Jacques Mehdi, et tous les amis nous sommes vraiment là, qui a suivi nous là, nous saluons nous tous, bon, et nous parlons là, et pour nous informations nous, puisque informations nous en pile, et bon, d'après ces voilà. Et comment nous capables d'avancer bon si au coup de route nous sentons que nous pas forme là c'est obligé hein c'est obligé craver quitter ça en quitter là il y a pas de problème
C'est ça, pas de problème. Merci bien, Ogé Laguerre. Et depuis nous, nous saluons Ogé Laguerre. Et Alexis Gervais, Alex, nous saluons Zami Pam. Et nous gagnons là, et notamment et Malène, Yacet, Mongira, et qui a fini là. Et gagnons là, et Dorsina Evans, Jocelyn Pierre, et puis donc Willy, et Colélien, et en forme Willy. Bon, tous les amis qui a fini là. Et Don Bichai, et PDG de Don Bichai, et Serge Elia, ancien attaquant, celui du nom, capitaine, et monsieur lui-même, vraiment là, et c'est une monde vraiment là qui toujours encourage nous. Santonax, bon bagay, et tous les amis qui ont suivi nous de près ou de loin, et nous avons demandé nous là, nous capables de continuer, partager l'émission aussi là. Bon, et on allait là avec, ça est concerné. Et championnat 2ème division, hein? C'est un championnat 2ème division lui-même. Vraiment là, c'est ça. Et tout le monde radio contact là, FM 90.9. Et dans la cour, nous Jersey, nous saluons nous tous. Et merci bien, OG Laguerre, radio contact FM 90.9. Dans la cour, nous Jersey, nous saluons nous tous. Merci bien, OG Laguerre, Joseph Pierre, en forme. Et chaque des amis qui connecté, ça qui demande de nous la partager l'émission là. Nanette. Valcou, nous saluons et nous saluons vraiment là. Et Anno, les mêmes qui assistent nous là. Et après, chaque amis qui connecté, ça qui est pour nous faire, moi, je dois aller même partager l'émission. Très rapidement, mesdames et messieurs, championnat 2ème division. Après pause, série aller à lui-même. C'est série retour là qui entamé. Et surtout là, nous avons là et quelques résultats qui étaient effectués, mesdames et messieurs, hier. Dans le cadre de Juné qui était arrivé jouer si tout le tabal gagné là. Il y a une équipe Vision des Inches. Yo même qui tabal arrivé fait tomber équipe Pantin Noir. Et on a fait de 2-0. Et puis donc tabal gagné Exafoot de Léogane. Yo même qui tabal imposé devant équipe AS Delma 2-1. Et Vapo de Wanamet. Yo même qui bat équipe FC Point de Péan 3-0. Et ça c'est pour un match qui était arrivé joué au niveau de la 2ème division. Et on rappelait que pour jeudi là, et avant tout, on a rappelé que l'équipe de PA même qui était tombée devant Wanamet 3-0. Jeudi, et dans la cour Limbé, on a gagné là équipe Limbé après c'est pas équipe Saint-Ludinois, équipe qui chez nous même, équipe Lacaïnou, équipe. Limbé, après c'est pas équipe Saint-Ludinois. Et nous avons la accolade de Gromon à jouer avec AS Tourdinois. Chanson lui-même a proposé avec équipe Fort Liberté. Hein? Bon, équipe Chanson lui-même, équipe ça qui est vraiment en difficulté. Et son équipe qui saute là, qui peut craser. Mais n'a pas le retour. Et puis c'est là, et dernière parole, nous avons gagné avec une dirigeante de pays d'Haïti là, et vous avez écrit à la fédération là, nous ne connaissons pas, est-ce que vous avez les mêmes pour arriver à jouer, est-ce que l'équipe chanson là les mêmes pour arriver à Kembe, c'est ça, et nous saluons Joseph Petit Frère, et présentateur de Saint-Lunard TV, dans la Coca-Cola ici. Oui, je viens d'Abdilan là, mesdames et messieurs, et une équipe chanson les mêmes qui est vraiment en difficulté, est-ce que l'équipe chanson là pour arriver à Kembe, nous ne connaissons pas. Mais chanson le même qui vient pour recevoir équipe qui relève Fort Liberté. Et nous avons gagné l'Athlétique de Point de Paix au même qui a recevoir équipe Racing Gomon, équipe Athlétique au même qui recevra Green Preo là. Et gagné des matchs par forfait, équipe qui va arriver déplacée. Et en quelque sorte, équipe ça lui-même a collecté Green Preo par Léo. Et nous avons là Éclair de Gonaïve qui est en tête classement, qui a recevoir puis c'est l'équipe Éclair de Gonaïve là 24 points. Et l'équipe Éclair lui-même a gagné là pour recevoir équipe en Safolé. Éclair a recevoir équipe en Safolé. Et puis donc, dans l'autre rencontre, si tout nous souhaitons calendrier pour nous. Pour nous, lui-même, nous parlons là, et calendrier pour Nordea, mesdames et messieurs. Et calendrier pour Nordea, puisque il y a un compte qui pourra arriver jouer, mesdames et messieurs.
C'est ça. Et bon, et Daniel Saint-Louis, nous pas gain un président pour une série de bagages. C'est ça, et Daniel Saint-Louis, c'est ça. Bon, c'est ça. Daniel, nous saluons, Zami Pam. Bon, tout le cas là, dans zone nord de même rencontre qui a gagné pour jouer, nous, mesdames et messieurs, si tout nous parle gain là, équipe. Équipe profondeur eux-mêmes après pour jouer avec AFD Saline c'est pour m'a dit qui a venu là mesdames et messieurs et n'a gagné notamment Pote Noir Vision Desch US Papa a rencontré avec Lascarbas excusez et nous gagné la équipe Acadien Everett n'a gagné là Olympique de Cabaye ou même qu'après on avait équipe USL là même c'est rencontre ça là qui a gagné dans cadre et première journée dans série retour mesdames et messieurs Kendi Leon depuis Port de Paix nous allons Kendi Leon c'est ça Roger Laguerre et nous croyons que tout bagage en forme là Roger Laguerre OK nous croyons que tout bagage en forme Kendi Leon depuis Port de Paix nous allons Kendi Leon bon et nous gagné là et rencontre ça au cap jeu là et surtout dans zone non et nord et non et nord et les mêmes mais surtout résultat qui était effectué dans nord et les mêmes surtout nous t'ai Pote Noir qui était tombé devant vision des jeux oui c'est ça résultat ça même fait ça arrivé jouer t'ai un pile plein qui était fait là vision des Pote Noir et c'est vision des qui était arrivé battre 2-0 et puis non et nous gagnons là équipe de PA même qui était tombé devant équipe qui était tombé devant équipe Vapeur de Wanamet. Kendi Leon nous pas connaît vraiment ça va passer équipe de PA là équipe de PA là c'est tout série allez même pas de bon pour eux et ont mal commencé ont mal entamé et c'est ça ont mal entamé là merci bien Kendi Leon. Yo mal entamé série retour là pour équipe de PA là. Yo équipe de PA les mêmes qui vraiment en difficulté. Et puis n'a pas chaviré non en sud et sud 2 1 pour classement les mêmes mais non souper n'a pas pour venir avec classement là et puisque il y a plusieurs matchs en retard et n'est capable là et faut des messieurs dire coach à fort là faut que mes grands sur yo a fait et serré tout terminé et puis donc un match aller pas arriver jouer quand même en quelque sorte faut que messieurs fait et arranger dans ça et ou pas capable gagner une série que tout qui va commencer et puis donc ou toujours dans match aller et puis donc série aller a été terminé en quelque sorte faut les dirigeants là et mettre grand monde sur là et puis font bagarre qui plus sérieux ou pas capable là et game match qui va arriver jouer et puis donc c'est comme ça. Bon, et Fedor Marcelin, en forme. Nous avons là Widi Fris Etienne. Depuis Zimbabwe lui-même qui est là, qui connecté avec nous là. Widi Fris Etienne, depuis Zimbabwe lui-même qui est là. Nous saluons Zami Pam et bonne écoute. Chaque grand ami qui est connecté, nous demandons là. Et continuez à partager l'émission là. Et merci bien, Widi Fris Etienne, depuis Zimbabwe. Eddie, nous saluons pour les Pam, Steven, Peter, Clinton, Céline, et puis nous, là. Et nous saluons là, et faites-moi le sage. Nous saluons les amis Pam. Nous les amis là, continuez à partager l'émission. Et c'est ça. Et vraiment, équipe de PA là, vraiment en difficulté. Et bon, et Kendi Leon là. Kendi Leon vraiment là et équipe pas de belles les mêmes qui vraiment en difficulté là. Bon et nous parler là dans zone dans site site 1 et site 2 et site équipe Aigle Noir mettez Z tous Apton et mettez Z tous Apton pour le connaître qui ça qui ça équipe Aigle Noir du Belin les mêmes lui parle rien pour faire l'Aigle Noir du Belin et équipe ça là et mettez Z tous et bon pour équipe AFDM qui était tombé devant équipe Exafoot 2 à 1 mais nous gagnons là Aigle Noir Dibelin même qui a bien pour jouer avec équipe AFC Deslan
En tout cas là et nous pour aller là et pour nous quick pour nous prendre quelques mots non mais Kendy Léon qu'on fait pas nous Kendy Léon depuis Port de Paix et Kendy Léon amis et nous comptons pour nous voir comment est Kendy Léon et Kendy Léon et bonsoir Boutis, salut tout auditeur OK Sport Magazine News son plaisir et une intervention concernant l'actualité sportive. Ouais, mais c'est ça. Tout ça va passer dans les pour les plus. Et Fondi, et Kendy faut de ou arranger Kendy Léon pour capable bon pour capable bien passer. Kendy Léon est là Kendy. Bon Kendy a peut-être attendu là et Kendy faut de attendre nous simplement au niveau de téléphone là et réduire récepteur volume que vous attendez nous. Ouais. Attendez nous seulement au niveau de téléphone là. Et Kendy Léon est-ce où est du volume récepteur ou attendez nous seulement au niveau de téléphone là Kendy. Ok. Kendy, comment peut-on payer mon ami? Nous sommes là, vous savez, on est tout bagage en forme dans la ville là, pour des pays en forme, mais tout simplement, nous connaissons la ville là, lui-même qui frappe par un journaliste sportif par nous, qui c'est Auguste Mackinson, dit Blanc Solo, qui a travaillé dans la radio et Dari FM, et c'est lui-même qui mourit, qui n'a pas vivre dans le monde ça encore. Je pense que c'est tout simplement ça qui est arrivé à Ville-Port de Paix. Je pense que la presse sportive au niveau du Pate Manoès là, nous vraiment frappé, nous vraiment regretté tout ça, qui c'est Auguste Mackinson, qui s'est été collaborateur nous dans la radio d'Ari FM Boutis. Ouais, c'est un coup de qu'il y a, et nous te parlons avec monsieur de temps en temps. Bon, vraiment là, effecté passé là même, et Kendy Léon. Ça, monsieur Téléon. Ouais, on connaît. Monsieur a été malade. Et après de ça, monsieur a été hospitalisé à l'hôpital Immaculé Conception de Port de Paix. Bon, après de ça, vers les 11h, le soir vendredi, comme ça, monsieur a été arrivé perdu la ville. Bon, c'est vraiment déplorable de ça. Mais vous connaissez, la vie, c'est comme ça. Nous vivons pour nous jeunes, ça, obligé. Nous souhaitons que toute famille, monsieur, a condoléances. Et puis tout supporter, monsieur, les amis, monsieur, approche, monsieur. Et nous souhaitons condoléances. Oui, et nous vraiment et attristé de nous vers ça. Et vraiment là, qu'on fait pas nous, vraiment, comme ça, et au niveau de tout staff, Vision Sport Magazine et Senior TV, vraiment là, nous c'était la famille Blanc Solo, Cordeaux-Léans. Bon, en tous les cas là, et bon, équipe Paul de Perola, et surtout, et ces rencontres athlétiques là, toujours joué, Kendy Léon. Oui, juste avant que vous venez sur l'information athlétique là, comme ça que Port de Paix, nous connaissons l'équipe qui est basée dans la ville de Port de Paix. Nous avons dit que c'est l'équipe Cœur Ville là, c'est l'équipe qui gagne une fanatique par rapport à nous connaître un chef-lieu du Port de Paix, qui c'est Port de Paix Football Club, l'équipe ça qui gagne une fanatique. Mais année ça, l'équipe là, lui-même qui n'est pas tellement bien comporté dans le championnat national de 2e division parce que. Ils ont fait un premier tour, ils ont avant-dernier dans le premier tour, malgré la pile de monde fini pour jouer pour le deuxième tour pour l'équipe de Paix. Mais fans que hier, ils ont gagné un match face à l'équipe Vapoa. Nous connaissons qu'ils sont une belle équipe de football en termes de structure. Nous connaissons qu'ils sont promis à Nisha, dans la ville Wanamet. Eh bien, on n'a pas le temps de fortement de la formation Vapoa. Et pas 3-0, c'est vraiment difficile. C'est vrai qu'ils ont été ouragés dans une situation qui était vraiment. Difficile parce qu'il y a des problèmes carburant dans le département, dans le pays. Tout ça, nous connaissons les problèmes carburant dans le pays, dans le problème gaz. Bien, messieurs, c'était bien tard, vendredi, vers les minuit à M, messieurs, j'étais obligé de voyager à plus facile. Bien, messieurs, même tomber, les équipes vont avoir 3-0. Bon, est-ce que, bon, pour l'équipe de PA, est-ce que c'est recrutement ou pas fait, ou bien ça passe là, et qu'est-ce que. Écoutement et recrutement au fait parce que vous mettez pile à pile nouveaux joueurs pour jouer deuxième tour pour l'équipe de PA. L'un pour les cadres, Pierre Jean-Marie Dissignot, nous comptons qui a évolué sous l'équipe Athletic Club Blanc, mais c'est ça lui-même qui retrouve l'équipe de PA. Et il y a encore Franzi qui sont très très bons joueurs de football, qui s'est mis en défense avec l'équipe Athletic là, qui était joué et série A pour Athletic, et bien qui retourne avec l'équipe de PA.
un monsieur qui perdit un très bon attaquant qui s'appelle Paul Hébert, parce que tout le monde de Patrimoine Paul Hébert, on est... c'était donc c'était donc meilleur buteur au niveau championnat de la deuxième division, et puis avec Joseph Junior. Et ça, voilà, c'est yeah, tout à fait. Mais bien monsieur Ali même désormais l'idée de série aller à beaucoup de faire, et bien monsieur a obligé à jouer retour pour l'équipe athlétique là, mais et ça va pas faire pour de faire prendre quoi là. Oui, non mais non mais là quoi là aussi faire chemin vers ça, l'idée d'une équipe athlétique là. Bon, et mais quand puis l'autre bon joueur vient aller dans le club pour de faire, mais ça prend du temps pour ces retours, mais tout simplement pile qui a sauté parce que Napoli son nouveau pour de faire là. Il faut que monsieur ta grand pile précaution pour ne pas arriver encore depuis la troisième division. Nous pas souhaiter ça, mais façon que nous équipe là même la marché là à l'extérieur, c'est de fait la caillou c'est nul. Est-ce que même comme il s'est toujours répété pour aller ça, en tout cas nous parce que deuxième tour aller un petit peu tôt, mais souhaiter que monsieur arrange tout petit bagage qui supposé fait pour l'équipe football là pour que vous capable avancer normalement. Bon, et concernant pour l'équipe athlétique là, et non athlétique là, et Tim Machari là, et Jérémy Sari là, et ça va déplacer. Exactement, parce que tu as un match à l'état, et semaine qui était, et week-end qui était pour nous, et toute disponibilité déjà après, malgré monsieur, mais il n'y a pas de faire déplacement, il y a plein pour question de Kabila qui n'a pas gagné à PA. Mais pour chaque fois que tu es fait tous les mois pour que le match arrive, mais tu es possible, et bien monsieur, pas te déplacer. Et bien monsieur, pour chaque fois que tu mets ton note d'ailleurs, que tu es validé 3 points avec l'équipe athlétique là, mais athlétique lui-même qui bénéficie de 3 points. Et je ne veux dire, il y a bien pour recevoir. Bon, par contre, il commence à lui mener pas le passé pour l'athlétique là. En tout cas, ensuite, il y a monsieur, bonne chance. Bon, et concernant l'équipe Chancellor, il y a un petit problème à l'équipe Chancellor. Bon, ça va passer comme ça, et c'est ce problème l'argent économique là qui a ravagé toute l'équipe, ou bien c'est division au niveau de comité, ou bien ça va faire comme ça à Kendé. Monsieur Abouti, c'est un bail qui fait mal à pile parce que nous prenons Chancellor en termes de monde. Et qui représente les communes ça, parce que si vous parlez de ici des personnalités, nous connaissons les premiers dames de la qui c'est mon là, en pile gros fonctionnaire dans l'État, qui c'est mon chansol. C'est que yon équipe à deuxième division de chansol. Problème économique, pas dit que n'est pas capable de gagner, non. Mais au moins ici à 50-60%, c'est que yon te carré de l'équipe là. Qui gros problème équipe là, la British. Ah, monsieur. En tant que c'est haïtien que nous y est, nous avons dit que nous sommes haïtiens, mais il fait honte. Et vraiment là, pour les gens, je ne sais pas parler là, il n'y a pas fait aucun plan, il n'y a rien. Et tout ça qu'a fait, bon. Et qui dit vraiment là, chaque fois qu'il a parlé de Haïti là, il y a une tristesse qui est entrée en dedans. Monsieur, ben là, vraiment, monsieur, il y a un problème économique là, bon. Et selon l'information, nous pouvons confirmer l'information, ça, mais t'assembler qui s'en doute, nous connaissons qui c'est président qui ça, et c'est à t'assembler qui t'a même pour voir qu'ils ont l'air pour le temps, transmettre avec des gens pour chaque fois pour le temps, dit que je ne suis pas prêt à aller au deuxième tour parce que les moyens ne sont pas, ok? Et possible pour que je sois lui-même, lui participe pour le deuxième tour de compétition, par exemple, monde qui supporte l'équipe ça, et c'est sans doute lui-même. Et qu'on a fait tout le bagage pour l'équipe football, ça. Bon. Et c'est arrivé à un moment là qui est extrêmement difficile là pour continuer ensemble avec l'équipe football, ça. Entre l'équipe football là, Dinsa, tout qui c'est Maris, Maxime, nous connaissons qui passent des présentations dans le jeu là, puis le joueur, tout qui est l'équipe football, ça. L'un qu'on est déjà qui est un ami de l'équipe, ça, qui traverse dans l'équipe à la de gouvernement. Ah, c'est que, moi, je suis en train de problème de premier tour compétition, hein. Et c'était vraiment, vraiment, grave le problème. Monsieur a pas traîné, question de manger, l'eau, et ça, on ne peut pas répondre à temps. Elle dit que Mathieu ne peut pas faire, on ne peut pas intéresser à l'an match encore. Elle dit que Chancel a pile à problème parce que l'autorité Chancel, comme pas dit l'autorité département de ressources, parce qu'il y a des cas pour barrer avec l'équipe ça. En tout cas, là, et Kendi, vraiment là, nous vraiment contents. Et pour nous, et juste avant qu'il me parte, puisque on connaît ASSL dans la commune,
Donc on est jusqu'à présent c'est une meilleure équipe de département gain là, OK? Parce que là, on a la couleur de la. Non. Non. Et c'est ASSL qui a deuxième position dans le groupe Nord. Et on souhaite que vous fassiez victoire du niveau 20 parce que on a parlé ensemble avec un pile joueur là, parce qu'on a parlé ensemble avec Médicin en défensif qui va ASSL là, qui c'est Kenzi Jérôme, très bon joueur de football, mais c'est très confiant. Elle est diminuée, Kenzi l'a fait avec un jour de Jodian, John Gadzi qui c'est Eduardo équipe ça, et Gain Wensky qui c'est Médicin en défensif équipe ça, qui me souhaite parler ensemble avec un pile monsieur. Je suis très très confiant Jouni Jodian pour le match de football là. Et je dis qu'il a fait point Jouni Jodian à la collègue. Nous espérons une victoire positive pour le formation ASSM. Ça permet de progresser normalement dans le classement. Et le week-end qui vient là, il faut recevoir la caillou. Et nous sommes vraiment contents. Et puis c'est là, et qui s'est là, et qui joue dans l'équipe là, et bah joue encore, et c'est des jeunes. Et qui a vraiment fait les noms. Des jeunes, nous sommes équipe vraiment jeunes, nous équipe vraiment jeunes. Ouais. Je suis que au capable de Québec, bon, nous avons vraiment content pour nous avoir surtout l'équipe ça, pour les gens qui ça descendre à chaque fois qu'on a parlé de ça, bon, on va parler de ça et qui ça pour gens ou descendre l'équipe là, et depuis lors l'équipe là n'est pas même pas encore là, bon, nous souhaitons que au capable de retourner en première division, mais nous connaissons qu'il n'est pas facile, c'est tout bout de ça les mêmes, bout de là, l'autre en pile, Kenzi Léon. Allez, en tout cas, c'est un plaisir pour nous qui participer avec une émission. Je souhaite que tout le monde, communauté internationale, et bien, je le suis sur Sport Magazine, plus gauche aux émissions qui va être dans la États-Unis. Je souhaite que tout le monde passe un bon week-end. À travers les mondes. À travers les mondes. Pas de problème, c'est un plaisir. Merci bien, Kendi. Prochaine fois, on a arrangé là, et toutes les photos, non, tout ça, et Nagata. Merci bien, Kenzi Léon. D'accord, Bétis, merci un peu. Bon après-midi, d'accord. Mesdames et messieurs, donc, notre cher confrère Kenzi Léon, depuis dans la coupe pays d'Haïti, mais notamment dans la coupe de paix à l'espace de Vision Sport Magazine. Et côté lui-même, il a fait le prêt concernant l'équipe Nord-Osnio qui a évolué au niveau de la deuxième division. Mesdames et messieurs, merci bien, Kenzi Léon. Ça va. Bon, et mesdames et messieurs, nous poursuivons avec l'émission là. Et pas oublier là, nous allons jouer le foot boutiste à 100%. Et en quelque sorte, nous avançons et nous allons tellement pousser. Si nous allons pousser en pile, nous allons camper dans route, directeur Grégory Pierre. Hein? Bon, et concernant le calendrier pour la deuxième division là, mesdames et messieurs, nous allons là, dans la zone sud 1 en lui-même. Jean Dabdelan là, Exafoot Tebat, AS Delmar 2 à 1. Et jeudi en là, nous parlons là Aigle Noir d'Ibelair de Edze Toussaint. Nous allons rencontrer avec ASIDES, US Cafou. US Cafou eux-mêmes. Après rencontrer avec PNH, Lyonceau de Peigné. Et qui a pris pour jouer avec Amateur de Cité Soleil, Victoria de Jacques Mel. A joué avec Roulado Sous Matla. Et puis donc Nabguinien, dans le Pac Tony Wolf du côté de Lagonave. Roulado de Lagonave a pris rencontrer avec Club Sportif Saint-Louis. Et puis donc, dans le site 2, dans le site 2 lui-même, côté Nabgué là, et notamment équipe Petite Rivière et de Nip, à rencontrer avec AS Petit Guave, et Éclair de Petit Guave, à rencontrer avec AS Akin, Nabgué Wendjo de Miwagwan, à jouer avec Juventus, Inter de Gongouave, Accolade de Fondeneg, ou à Gandekai, et après, c'est voir équipe AS GG, mesdames et messieurs. Ça, c'est pour calendrier concernant de la deuxième division, le championnat lui-même qui a avancé. N'a gagné de Metellis. Nous saluons amis pas, mais puis donc nous avons Eli Jorel qui a suivi nous là depuis Brésil. Et nous avons là notamment Jean Fresnel Pavrette qui a suivi nous là. Bilté des Apples qui belle et bien connecté avec nous là. Kawi Léona Classe. Bon, et Roulado de Lagonave, j'aime de là, il y a joué avec Club Sportif Saint-Louis, Zami Pam, Jocelyn Pierre, et nous saluons Zami Pam. Et bon, nous gagnons là,
notamment Max François qui connecté, Tony Lele Vasso, nous saluons Zami Pam et tous les amis qui connecté et nous demandé nous là, nous capable continuer partager émission là Christmas Saint-Ville et puis donc André Nord Dimi qui a signé là, nous demandé les amis là, nous capable continuer et partager émission si là et nous profiter ça le dimanche amener les mêmes qui belle et bien connecté avec nous là. Tous les amis qui ont suivi nous là, nous capables de continuer à partager l'émission si là, nous capables d'inviter des amis vraiment pour capables suivre l'émission si là. Bon, et nous avancé, nous parlons un coup de pied au niveau de la première division pour nous aller au championnat de première division lui-même. Il y a une quatrième journée lui-même qui est démarré depuis hier, mais nous avons gagné pour nous faire retourner dans le cadre de troisième journée, mesdames et messieurs, et dans le résultat qui est tombé. Dans le cadre de la troisième journée du championnat national de la première division, mesdames et messieurs, à l'espace de Vision Sport Magazine. La première division de la première championnat national de la première, donc, quand il y a une démarrée depuis hier, national de la première division côté on t'a pas gagné là équipe violette qui t'a pas tombé devant équipe AF1 un goal à 0 c'était Billy Belizer qui était arrivé marqué Wanamet Baltimore 0 but partout triomphe de Lyon Couillon mais qui t'a pas battu équipe Racing Football Club dès qu'on arrive un goal à 0 côté Saint-Pierre lui-même est vraiment en difficulté. Et nous avons la Cavalli de Léogane Cosmopolite, 2 goals à 0. Pour triomphe, c'était Jefferson d'Alancourt qui était arrivé marqué. Cavalli Cosmopolite, 2 à 0. Woody Joseph et Spencer Dezy qui était arrivé marqué pour Cavalli de Léogane. Et nous avons gagné Aïssim Balé à Kaye, même qui était arrivé faire match 0 but partout. Et puis nous avons gagné là, notamment équipe. Et Don Bosco de Pétionville qui t'a pas arrivé. Et Don Bosco de Pétionville même qui t'a pas arrivé battre équipe América de Cali 2 goals à 0. Bolanski, Saint-Élis, Eliader, Dorélis qui t'est arrivé marqué pour équipe Don Bosco 1. Hein? Et c'est donc victoire qui était tout à fait intéressant pour équipe Pétionville. Mesdames et messieurs, donc, nous avons gagné Fika de Cabahitien. Et qui talbat équipe Racing Club haïtien un goal à 0 tempête Real Dicap un goal à 0 c'était donc un autogol mon qui était marqué contre Canléan c'est Collins Etienne qui était marqué à la 23e minute de jeu c'était donc un autogol mesdames et messieurs pour équipe tempête là et tempête qui fait victoire ça bon et après rencontre qui était arrivé jouer dans cadre et en cas de le troisième journée ça et c'est tout golf fica les mêmes mais c'est qui était tout à fait intéressant et c'est tout Jean-Renoir Bella qui s'est entraîné équipe fica et entraîneur ça les mêmes qui vraiment gagne un pile problème c'est tout équipe lui pas capable marquer et au tap garder image Jean-Renoir Bella et avant que fica devienne un petit green goal ça vraiment là c'est un groupe de soulagement qu'il était là. Pour Jean-Renoir Bella, efficace lui-même, vraiment qui te fait victoire ça. Il a un regardé action là, vraiment là, c'est un goal qui était tout à fait intéressant pour équipe Fika, Fika lui-même,
qui fait goal ça et vraiment là c'était un goal qui était tout à fait intéressant pour l'équipe FICA du Cap Haïtien. Mais après rencontre ça, bon, aujourd'hui une équipe Racing Club Haïtien et qui ça les mêmes qui vraiment une équipe Racing Club Haïtien les mêmes et qui ça les mêmes qui vraiment en difficulté et côté dirigeant équipe Racing là et abandonné et équipe Racing là c'est entraîneur les mêmes qui par contre qui s'est brûlé là qui m'ont brûlé là et côté là et fin décembre vraiment pas capable de lever courir mais il y a un pile problème en dans équipe Racing Club Haïtien nous pas permettre de suivre réaction Jean-Roussel Derival qui c'est capitaine d'équipe Racing Club Haïtien et puis donc fin décembre lui-même qui parle bientôt pour réagir dans espace là. Et côté monsieur là qui vraiment pas connaît et qui c'est pour reler là qui monde pour reler pour David pour ton secou vraiment là pour équipe Racing Club Haïtien nous pas permettre de suivre réaction et Jean-Christian Derival mesdames et messieurs qui t'a réagi mesdames et messieurs. Derival capitaine du Racing Club Haïtien une défaite qui sont comprendre deux défaites aujourd'hui. Bon, c'est pas une défaite, nous t'es à peine de lit. Nous venons, nous perdons défaite là, nous connaissons l'équipe là. Nous prenons défaite là, dis comme dit, nous perdons défaite là, nous prenons défaite là. Nous connaissons, nous devons retourner sur le terrain pour notre travail, pour nous tirer l'équipe là dans l'espace parce que nous c'est Racing, nous ne pouvons pas quitter l'équipe là. Baby. Alors, ou même par rapport à jouer Racing, t'es gagné. Et non, expérimenté, nous c'est vous seul qui rete ça passé. Non, et t'es un petit problème là pour nous devoir, j'ai un joueur qui partait. Qui part présent dans tout entraînement. Bon, comme c'est football, peu importe, je vais te l'été Messi de Ronaldo, immédiatement on va entraîner. Entraîner n'a pas qu'à faire choix de où. Nous te faire choix de. Entraîner te faire choix de monde qui entraîne. Nous pensons que Racing prend le bataille pour nous battre les meilleurs de nous-mêmes. Alors, est-ce que vous pensez que Racing est capable de tomber par rapport à défaite sous défaite, Racing a enregistré dans le championnat national de première division? Bon, je ne sais pas dire Racing a tombé, probablement Racing est dans la zone relégable. Même parce que nous, c'est Racing, nous prenons la bataille pour étirer l'équipe de côté. Mais faut, nous venons jouer dans la province surtout, il faut habituer à juger les bagages aux gens. Les gens qui ont fait le ball, il ne faut pas me lever, faut pas gagner. Parce que c'est FICA pour la potée. Il faut faire les bagages aux gens et faire les bagages aux droits. Parce que pas de boycotter dans la zone. Pour ces arbitres qui perdent du. Nous m'pas dire habit là qui perdit nous perdit tête nous parce que nous jeune toute occasion et équipe la foncelle tire cadre ba nous gol nous pense nous prendre et réponse sous bagarre travail devant gol là pour gol le ca venir sous ta message j'ai dit à auditeur c'est qui ça la bien bon m'a dit fanatique tout fanatique Racing reste confiant parce que équipe nous pas quitter équipe la pays nous pas travailler pour notre équipe la gol. Merci Jean-Wister. Merci mesdames et messieurs, c'était donc Jean-Wister Derival les joueurs équipe Racing Club Haïtien qui a réagi, bon, bah, nous n'avons pas un bon perdant. Et nous avons toujours un mauvais perdant. En tous les cas, là, et j'ai aussi un dérival, là, monsieur, vraiment là, qui a réagi après de fête devant l'équipe FICA du Cap Haïtien, bon, l'équipe Racing Club Haïtien lui-même, qui a un pile problème, mesdames et messieurs, équipe ça lui-même, qui a un pile problème, mais. Côté nous gagne la France décembre mais qui s'est entraîné équipe récemment monsieur les mêmes vraiment là et nous parle permettre de suivre France décembre monsieur les mêmes qui a réagi et écoutez femme la grande famille Racing nous fait appel à yo équipe là les mêmes a mouri et a bred l'eau et a prend soleil vraiment là et équipe là noyé j'ai dit va dire là et bon France décembre fait appel à grande famille Racing Club Haïtien et pour venir porter mes foyers à l'équipe Racing. Bon, quand les gens connaissent que l'équipe Racing a une grande famille, et bon, ça va passer comme ça. Est-ce que la famille Racing a divisé? Mais nous allons permettre de suivre la réaction de France Décembre lui-même qui s'est entraîné équipe Racing Club Haïtien, mesdames et messieurs, qui t'a réagi dans le micro. Yose petit frère de NST, mesdames et messieurs, nous allons permettre de suivre France Décembre, mesdames et messieurs, qui va prendre lever courir. Même c'est les mêmes vraiment là, l'a demandé aide puis on vient rejoindre capable sauver équipe Racing Club Haïtien mesdames et messieurs. Comment comprendre ça? Bon, situation est vraiment difficile et très chaotique n'a dit pour équipe Racing là. Une équipe Racing qui vraiment en difficulté et difficulté énorme. On capable dire malgré
on pas senti que l'équipe Racine est fatiguée malgré le long voyage nous fait. Nous quittons pas au prince à 6h, nous arrivons à 1h après-midi. Nous faisons massage pour jouer. Donc c'est jeudi à même nous voyager? C'est jeudi à nous voyager. Il y a une crise. Si nous avons énuméré la crise gang dans Racine, nous croyons que l'étape trop. L'étape propre pour nous énumérer tellement l'équipe a un problème. Si vous regardez, je suis dit son équipe a félicité. Et je suis là aussi à féliciter parce que son équipe réserve qui joue aujourd'hui. Malgré l'absence, Monuma, Jean-Aubert Jean, étant d'autres cadres dans l'équipe précédente, ils n'ont pas fait déplacement. Championnat vacances toujours pas jamais fini. Pour l'équipe précédente, il y a deux joueurs qui ont fait finale Thomasin, qui n'ont pas fait déplacement avec l'équipe précédente. Il y a des situations que vous la donne, vous m'avez dit comment on fait là. Meilleure décision, c'est à démissionner. Mais vous pas courir les gains problèmes. Mais un problème énorme, comme dit là, absence de dirigeant. Vous pas vraiment remarqué dirigeant. Jouer au traité en parent pauvre. Et c'est trois séances d'entraînement pour nous autour, nous faire pour nous venir Cap-Haïtien. Nous entraîner lundi, mercredi et vendredi. Donc vous pas peur que pour être capable de tomber dans la phase retournant? Bon, nos situations comme ça, nous obligeons peur. Nous pas t'as peur. Si t'es présence, si la famille aussi t'es présent avec nous, nous connaissons, nous connaissons notre travail, nous avons expérience pour ça, nous connaissons notre travail. Et si t'es présence dirigeant, ben c'est, il va taper comme ça. Parce que je vais livrer à eux-mêmes, ou dans l'entraînement, c'est seulement le staff là qui accompagne les. Et même pour faire voyage, là, c'est pas matin de voyager, depuis 9h. Jouer dans le local ici dans la lue, ou c'est matin en déplacement en fait. Situation difficile, et moi-même en tant que coach, nous avons deux joueurs qui nous étaient dans le mercato, nous étions en contact avec eux pour nous renforcer l'effectif ici. Ça n'a pas arrivé fait. Bon, jouer au négocier avec dirigeants, en tant que l'en bas fait. Nous seulement gagnons deux marassas, les frères Saint-Hubert. Qui rejoignent nous dans l'équipe Ricine. Après ça, c'est des anciens, on a cité Malos. Nous avons les frères Pierre, Boni, Pierre, Richard, Pierre, qui n'est pas présent avec nous aujourd'hui. Nous avons un défenseur central, qui c'est Botes Colson, qui n'est pas présent avec nous. On est capable de dire son tas de problèmes. Je me sens fatigué. Je me sens fatigué. Par contre, qui porte pour me frapper? Dans l'ensemble, vous-même, où est-ce que autant de problèmes? Où dites-vous tout ça? Bon, me dit tête moi c'est à courir. C'est à courir parce que nos situations qui vraiment grave, c'était comme d'ado ou bon élève l'école. Ou pas bal livre, ou bal caillou, ou bal uniforme et puis dans les examens arrive ou a délité de lauréat. Alors coach, et vous même si bagarre toujours continuer comme ça, ou toujours être dans Racine? Bon, si bagarre continue, la continuera, nous go l'autre déplacement encore et Saint-Mac la caille Baltimore. Et prochain match après Baltimore c'est face à Violette. Nous avons un grand derby national. On équipe Violette nous pas peur lui, mais nous besoin présence et la famille Racine. Nous besoin tout le monde font seul. Mais nous capable de son équipe comment capable de chance pour aller à l'entraînement Racine dans stade là. Pas de présence dirigeant, pas de présence dirigeant. Et nous vraiment en difficulté, moi demande comme moi dit je ne sais pas qui peut me frapper, il y a un joueur. Tout le monde a dit que tu es supposé venir jouer avec nous. Et en tant que là, pas arrivé fait avec des bases. Tout trois matchs nous perdus. Nous avons perdu face à Don Bosco. C'est toujours la dernière heure. Jean-Wen Bangolza. Face à Tempête. Nous jouons. Pas gagnant car reproché jouer au football cabrio. Face à Tempête, c'était défense qui était fébrile. Et pas de couverture qui était faite, nous prenons deux goals, nous avons deux caméras, nous prenons les mêmes gens. Malgré, avec complicité, habit assistant, et deux joueurs, tapent tout est en action, pas d'accord. Mais je dis là, ou assister à une bonne équipe Racine, malgré nous sommes équipe réserve qui joue, ou assister à une bonne équipe Racine qui tape jouer. Et des rivales, bon, c'est pas de bonjour, ils viennent en meilleure occasion, dans la première mi-temps, pour te marquer pour l'équipe Racine, ils ne sont pas arrivés à marquer. Et il y a quelques petits maladresses en attaque, il faut que nous corrigions, Et nous demandons des familles Racine. Comment vous comprenez ça? Bon, situation. Bon, et vraiment, mesdames et messieurs, nous attendons France Décembre qui s'est entraîné équipe Racing Club Haïtien là. Et comme vous là, et dans qui souffrance,
Et entraîneur est là, entraîneur a perdu, pas à dormi. Entraîneur là, il a souffri. Et bon, le entraîneur équipe, bon, qu'on y a là, et tout, et dirigeant là, et quitte équipe là, il y a là, il y a entraîneur là, ou ne pas comprendre. Ou même qui a fait nous là, et nous parlons au coup de mission là, nous parlons opportunité pour capable réagir sur ta question, lui met quelqu'un, que 954. 954-903-0922 ou capable de prendre vie par vous concernant l'équipe Racing Club haïtien là. Et qui ça nous pensait? Et pour nous, et qui ça nous pensait de ce que dirigeant équipe Racing là, qui est l'équipe là? C'est celle entraîneur qui est l'équipe là. Est-ce entraîneur t'a dû lever couille ou bien entraîneur t'a dû rester toujours dans cette équipe Racing Club haïtien? Ou même qui a signé là, c'est une question, lumière quelqu'un vous a voulu réagir. Ou un problème? Capable de composer 954-903-0922 ou bien capable de nous directement sur WhatsApp 954-822-6751 ou capable de prendre vie par vous. On est prêt pour nous parler avec vous. On a profité de cette bonne fête à Frankie. Frankie qui t'a fêté 11 septembre là. Et puis donc nous gagnons Madame Frankie qui a fêté journée jeudi là. Et nous souhaitons toute famille bonne fête, bon anniversaire. Et c'est ça, Funky et Jean-Jean. Funky, c'est un ancien bon, il a, ancien bon. Funky, et nous souhaitons bonne fête de Radio Modèle. Bon, et nous-mêmes qui avons nous là, qui ça nous pensait concernant de l'équipe Racing Club ici là. Et bon, et tout dirigeant de l'équipe Racing là, qui est l'équipe là, c'est Franz Descendre maintenant qui. Et qui responsable l'équipe là lui-même, bah là, vraiment compliqué pour France décembre. Taïna Février, nous saluons. Et puis donc, on a profité de saluer Marc Richard, Lixenou, qui est bel et bien connecté. Yvan Saint-Michel, qui a suivi là. Wesley Léonard, nous gagnons là notamment. Et Niki Beljou, qui est bel et bien connecté avec nous là. François Baptiste, qui a suivi là. Nous saluons. François Baptiste. Et de l'autre côté, nous avons là Jonathan Jean-Baptiste pour Fika lui-même qui t'a réagi. Mesdames et messieurs, après victoire, équipe Fika au dépens du Racing Club. Ah, il fait un assis, Jonathan Jean-Baptiste qui t'a réagi, mesdames et messieurs. Et une victoire, c'est un bassin et mon joueur quand même. Alors, nous avons Jonathan côté ma phase alien, nous avons Jonathan qui a progressé. Et bon travail qui fait. Il y a un travail et personnel qui fait, nous après entraînement et coach en beauté pour nous, m'estimer que forme moins de gain, c'est pas lui qui là, et me fait travail personnel, après entraînement, je travaille là, car moi me fait footing et forme que mon yote qu'on aime de gain, pour aller rejoindre Jonathan dans notre casse. Alors, nous sommes capables de dire, Fika est capable de vivre loin, ou même avec tout joueur ça, est-ce que vous promettez que, face de toi, nous pourrons le faire, une autre bagaille pour Fika capable de sortir dans la bingue de côté de effectivement, c'est projet à ça. Nous sommes très bas et nous disons que travail et à mon nous là, on a mettre ensemble pour nous sortir dans tout côté. Alors, et prochaine journée, c'est qui ça nous parle préparer, qui ça nous parle offrir à l'auditeur. Bon, bah, c'est son lancé, son message ouvert à tout fanatique que nous parlons de lancer ça et son machine à gagner qui démarre à soi même. Donc, nous pensons que c'est de victoire en victoire après le marché. Effectivement. Alors, ou même Jonathan, et grand pile monde qui a parlé de 8e trophée, ou quoi jusqu'à présent, Fika Cap Champion? Bon, c'est objectif là, jusqu'à présent, et nous n'avons pas l'autre vision dans le championnat qui joue pour 8e titre. Message à ce qui s'est bien. Que tout fait positif et il y a besoin de Fika, il y a souhaité. Merci, Jonathan. Merci. Mesdames et messieurs, donc, Jonathan Jean-Baptiste qui a réagi en équipe Fika. Et qui est arrivé à faire victoire et sous Essine, mais équipe Fika qui n'a rien passé là, Bagala Babo même dit tout pour Fika, et surtout hier soir, il a tombé dans le stade Silvio 14 devant une équipe cosmopolite qui va même en forme, mesdames et messieurs, et il a tombé devant l'équipe cosmopolite là, un goal à 0, et situation lui-même, Tacha lui-même, lui vraiment. Compliqué pour l'équipe Fika de Kabaïsé. Fika ou même qui recrute en pile joueur, mesdames et messieurs, qui renforce l'équipe là. Mais nous capables là, Mayonnaise lui même pourquoi capable d'entrer dans le pays, mesdames et messieurs. Mayonnaise pourquoi capable d'entrer dans le pays. Et bon, équipe Fika, équipe ça,
qui sur route là et puis al jouer dans deuxième division. Bon, en pile question qui a posé là et ça qui a passé, est-ce que c'est entraîneur lui-même? Est-ce que c'est entraîneur lui-même qui pas bon ou et c'est ça, est-ce que c'est entraîneur qui pas bon? Mais là n'a pas gardé là une équipe Fika qui a en pile monde. Logan Babalito qui bel et bien retour dans l'équipe ça et nous gagnons là Sandé Boss et Zitibo qui retrouve l'équipe Fika et Fika les mêmes qui a checké pour 6 à 7 joueurs pour l'équipe ça là. Bon, l'équipe Fika qui vraiment en difficulté, mesdames et messieurs. Est-ce que Fika pral gagner là pour jouer dans l'enfer deuxième division? C'est la grande question que tout le monde a posé, mesdames et messieurs. Est-ce que Fika pral gagner pour jouer au niveau de la deuxième division? En ouais, calendrier. Après défaite Fika devant équipe Cosmopolite là et en ouais là résultat équipe pral gagner là en quelques calendrier pour ce quatrième journée ça nous pral gagner là équipe Wanamet Don Bosco de Pétionville triomphe de Liancourt en Wanamet Don Bosco a joué dans Parc Notre-Dame dans Parc Mercedes-Louis triomphe tempête Akaye, Racing Football Club de Gonaïve, une équipe Akaye qui vraiment motivée là pour recevoir équipe Racing Football Club de Gonaïve là dans Parc Saint-Yvelin. Mais côté nous gagnons là son Pierre lui-même qui ont ultimatum sur tête là et gain deux dans deux journées là et faut que l'il t'a arrivé gagner à peu près 4 points mesdames et messieurs pour équipe Akaye avec Racing Football Club de Gonaïve. Et puis nous gagnons America Real Cap Violette Cavalli de Léogane, n'a pas direction de Orlando pour nous retrouver notre confrère, notre cher ami, vous êtes assez divers, ami Pam. Comment est-ce, comment sentez-vous, même si vous connaissez quoi, pas content? Bonsoir, monsieur, bonsoir à tous les amis, c'est Lusion TV, bonsoir à tous les amis qui toujours bon fait émission dans le Sahara. Et nous bien contents de retrouver là pour un petit bout de temps, et Brutus, et pour nous capables de parler sport. Même si je dis que je suis pas content, mais n'est-ce qui gagne Jésus, pas je ne suis pas content. Ok. Bah, bon, quoi ça, c'est numéro 1, mon cher. Ah ouais. Anyway, bon, en tout cas, là, vous êtes les amis, bam. Et nous sommes vraiment là, nous faisons 4 à 5 jours de coucher. Mais je dis à là, nous avons essayé là, et pour nous, continuer à servir le public là. Et nous t'es attaqué par un grippe. Bon, c'est bataille à bataille. Et nous ne voulons pas coucher. Et nous ne voulons pas quitter les amis orphelins. En quelque sorte, nous présents là pour nous être capables de servir. En tout cas, nous sommes bien contents. Nous retrouvons pour un petit bout de temps. Nelson Moulet, et amis Pam. Mais nous saluons amis Pam. Bon, vous êtes bien. Et nous sommes là. Résultat pour notre 4e journée. Hein. Et puis donc, nous sommes 4e journée. Là, c'est tout avec. De fait, équipe Fika di Kaba Haïtien là, et on kèmè on dit en sauté, ou zèl Sétibè, lè m'ap gade, nan état équipe Fika lié, ou zèl Sétibè, et c'est tout, l'on en sait, il fait un petit là, et t'es chouri là, et ou zèl Sétibè, pour. C'est pour ça, c'est pour résultat, ça fait un peu de tout de ce qui m'a content. Moi, quoi, Wilfried? C'est vous résultat ça au dire que m'pas content me dire moi quoi que connait moi quoi me quoi quoi n'a pas parlé de qui pressing jeune il y a pas semaine on allez bon et équipe Fika qui était en déplacement hier face à l'équipe Cosmopolite là et match que moi me gagne chance ouais par et par moi et technologique ensemble de groupe même avec Saint-Louis du Nord qui a travaillé qui a porté championnat national là pour Mounio et nous souhaiter nous féliciter monsieur qui vraiment font bon travail même avec Saint-Louis du Nord et bien sûr dans stade là grâce à eux même t'ai gagné chance garder match football là mais faut me dire que c'est une victoire méritée bon côté Cosmopolite parce que sous l'ensemble et match là on sentit que monsieur Cosmopolite était mieux maîtriser sujet yo qui donc des fois ou t'es même une possibilité yo élaborer et ce que l'équipe Fika pas cap faire lui-même et même si après Fika t'es fin point goal là t'es jeune en face à face
et bossy Stanley Diti boté raté face à face à, mais après pas de grande chose bon côté équipe FICA, c'est surtout équipe moins cosmopolite qui t'a essayé sous école et me pensais que yo était mieux préparé match et au jeune résultat. Et quant à équipe FICA, moi-même t'es capable de dire un gros qu'est sauté pour yo parce que ça me garder là comme performance, c'est vraiment lamentable. Et gagner perdre un match, mais on senti réaction équipe là et c'est petit détail qui fait que il pas fait victoire ou bien pas joué une égalisation. Mais dans le cas match hier là, on senti c'est une équipe qui était nulle. Tant que c'était une équipe monsieur sorti fait 3 jours dans carnaval, le saut dans ce carnaval dans Rex et puis dans environ 2 heures temps après carnaval là, il dit au game match football est bien joué. Qui donc ou grand temps senti que pas d'ap kabay résultat. C'est comme ça équipe FICA li te montré. Qui donc c'est une équipe qui peut être fatiguée, une équipe qui pas préparé rien et dans l'air à attaquer ou pas senti te gon travail qui te fait à l'entraînement mais comment équipe la attaquer, pas gagner ça tout dans défense là, pas gagner dans milieu terrain, pas de gagner qui préparé qui donc c'était un FICA vraiment vraiment médiocre. Et si FICA pas perdre match ça, et me pensais que c'était un gros mal et football là t'es capable faire cosmopolite parce que FICA pas dans bataille du tout et ça permettre que me poser tête en question est-ce que Jarino Abila qui c'est coach équipe FICA monsieur était entraîné équipe là pendant semaine là mais qu'on est équipe là t'es quitté au cap depuis jeudi pour arriver et pas au prince parce que match a joué dans samedi est-ce que c'est ça permettre que équipe là pas entraîné me croit dans lundi on te gagne repos yo pas t'entraîner dans lundi qui donc yo fait mardi mercredi avant entraîner jeudi m'pa connais si yo t'entraîner et même si yo t'entraîner 2 jours bien 3 jours dans semaine là mais gè travail faut ou te senti qui fait en équipe là parce que et dans préparation foncière dans préparation avant championnat démarrer faut mise en place ça ou te fait alors que c'est pas ça du tout et qui fait en dans équipe FICA. C'est vrai, mon papa le dit, c'est équipe FICA qui gagne plus belle et effectif dans le championnat, mais il y a gagné des joueurs, je pense pas. Et éléments assez intéressants, surtout en attaque, même si en défense, il y a gagné des éléments pour être capable quand même mettre dans l'équipe là. Mais au milieu et en attaque, je pense qu'équipe FICA a gagné éléments pour répondre. C'est pas ça au frino là, au public là, hier dans le match, c'était vraiment lamentable. Et, si toutefois FICA capable bayon performance aussi médiocre nan prochaine fois la bien pour sortir yo on pensait que moun FICA fanatique FICA pas besoin espérer grande chose c'est l'enfer deuxième division tête droite par contre est-ce que coach a capable corriger ça qui t'est passé hier là est-ce que c'est un accident et par contre est-ce que dirigeant FICA a cherché yon l'autre technicien pour remplacer Jean-Renaud Abila, mais moi-même, Samuel là, son équipe FICA, entraîné à pas gagner un prêt sous groupe là, et puis jouer tout, ou pas senti ou vle mouye de Mayo. Et si m'y capable. Je senti que c'est des joueurs qui n'ont pas. Non, Savan. Tout n'est pas blevé couille, en termes de placement, pas gagner ça, tout ça. À côté de Savan, non, placement gagne, parce que m'y mentionné Jean-Dylan Wilfried dans Samdab Gade 1. Et son équipe qui pas gagne façon l'attaquer, façon de défendre, et son équipe qui était nulle. Mais, des fois, ou jouez une genre d'équipe ça yo, tactiquement pas répondre, mais jouez au senti, y a mouillé maillot, a. Y'a déterminé, y'a envie faire un bagay. Mais c'est pas ça, moi, en équipe FICA. Un, y'a gagné problème placement tactiquement, et puis, ou senti, jouez au vague souterrain. On dirait que ça pas dit rien ou pas même comme ça y a fait sous terrain tant qu'on pas senti gagner yon détermination au sein du groupe c'est là le problème mais si m'excepté quelques éléments et si m'étais capable dire Lunes et qui t'a joué arrière central et puis qui Kiruga qui c'est argentin qui t'a joué senti ou t'es plus ou moins gagner sous terrain pas capable dire grand chose pas connaît est-ce qu'il y a un élément que par contre mais mon groupe là dans l'ensemble pas répondre c'est vraiment lamentable je pense fort dirigeant FICA rapide
yo fait des réunions en express et pour yo capable prendre une décision. C'est ou bien on parle avec coach Abela pour mettre garçon sur les pour résoudre ça pour résoudre yo, ou bien révoquer Abela, yo prend l'autre technicien parce que après 4 journées et yon équipe qui te gata, c'est yon nan équipe qui te commence à entraîner avant tout l'autre, et puis pour Sénat état s'allier, et qui renforce, et puis Sénat état s'allier, me pensais que quelque part yon problème. Est-ce que c'est bon côté joueur yon? Pas qu'on est. Mais yon montre que yon pavle mou et Mario pour Fika, c'est yon bon dilettant qui te souterrain. Est-ce que c'est bon côté coach là? Pas qu'on est. Mais ça, coach yon montre là, li bay comme prestation, li pa rien prêté souterrain, il pas semblé une équipe qui entraîné, qui préparé rien. Est-ce que c'est dirigeant? M'pa konnen. Est-ce que dirigeant paye joueur? Est-ce qu'il pas paye joueur? M'pa konnen ça tout. Mais ça que m'ka conclu nan problème Fika gen gros problème. Qui donc tactiquement équipe la pas préparé et joueur yo pas et m'pa senti psychiquement yo répond. Et puis, ça, dernière interrogation, par contre, dans quel niveau dirigeant avec joueur, yo, est-ce que vous payez, est-ce qu'il y a un problème dans l'équipe là? Par contre, mais visiblement, ou même cap gardé, match football, cap gardé l'équipe là, ou est-ce que son équipe qui charge problème en dedans? Bon, tout le cas là, et situation lui-même, est vraiment compliqué pour l'équipe Fika, et c'est une équipe Fika qui vraiment renforce là. Bon, et bon, si pour ta changer d'entraîneur, il faut que tu fasses ça plus vite que possible. Puis c'est là, et c'est pas bon, c'est retour encore. Et c'est retour ça lui-même. Et voilà, on allait dans la cour Gonaïve pour retrouver, mettre là, avocat Raoul Achille. Raoul Achille, Zami Pam. Et depuis Gonaïve, nous comptons pour retrouver Maître Raoul. Comment Gonaïve, Maître Raoul? Bonsoir Goutis, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir auditeurs, auditrices. Et nous saluons tout le monde en général, Boutis, nous saluons tous en même. Ok, nous saluons. Et vous êtes en Tibet, est-ce que vous entendez M. Raoul Achille? Vous êtes en Tibet? Effectivement, nous sommes dans M. Achille très bien et nous profitons de saluer Achille et de Gonaïve. Nous saluons, collègues, moi, en pile estime. Merci. Ok, M. Raoul, équipe Racing Junior de Gonaïve. Nous souhaitons parler d'équipe Fika là avec Moses Saint-Hubert. Maintenant, équipe Racing Football Club d'Agonaïve là, deux équipes ça au Fika. Racing Football Club d'Agonaïve, c'est deux équipes ça qui te fait plus recruit pour offre saison là. Et il y a un pile qui a fait là concernant l'équipe Racing Football Club d'Agonaïve là. Comment la situation est Saint-Pierre avec l'équipe Racing Football Club d'Agonaïve? Oui, bon, on connaît aujourd'hui, c'est la quatrième journée du championnat national la Cap-Juée. Oui, c'est un déplacement à Carrière, de très tôt. L'équipe a quitté ville là, avec tout Amada, tout élément qui est important dans l'équipe là. Même si nous connaissons l'équipe à un moment noir là, un moment noir, deux défaites affilées. Et après deux défaites là, on a deux matchs en déplacement. Aujourd'hui, c'est un match en déplacement. Oui, c'est un match à Carrière, dans le Parc Saint-Yves. Et depuis à Carrière, dans la première division, il y a 2 ans là, il y a beaucoup de gens qui battent. Il joue 4 fois, 4 à 5 fois, il y a des gens qui arrivent. Ce soir, Akaye fait la victoire, ce soir, Akaye fait match nul. Il y a beaucoup de gens qui battent Akaye. Son défi, son mur de Berlin. Histoire, bon, on joue, histoire pour le subsaharien, pour le suspendre. Mais est-ce que c'est jeudi ou bien l'autre jour, nous ne connaissons pas. Et on est encore Saint-Pierre qui entraîne l'équipe de Saint-Denis là. Depuis le début de saison, il est lancé et lui-même est venu pour champion pour un titre là. Et bon, et premier jour, il a été la victoire sur le handicap. Deux autres matchs, on racle 6-2 devant l'équipe américaine. Et puis, on défait la domicile le 21 de l'un coup. Ça permet un peu le monde dans le doute sur la troisième vitesse qui est dirigeant le signe bail. C'est comme ça qu'il est. Et après le match, ça, c'est un déplacement encore parce que contre Cavalli. Et c'est des déplacements qui sont périlleux pour le signe de Gounaï. Nouvelle, c'est du bien en avance avec Maître Raoul. Bon, Maître Raoul, moi, ouais, équipe Racing à Bouéluil. Et deux matchs, yon de l'autre. Et me connais, j'ai l'impression qu'il a mis sous coach Saint-Pierre. Et ultimatum, et je me suis dit, j'ai un texte pour même, qui s'est venu avec, et dans deux sorties, ça a des résultats positifs.
résultat positif pour dirigeant yo ou bien source information ça met Achille. Est-ce que c'est deux matchs nuls ou bien une victoire en nul ou bien c'est victoire obligatoire dans deux sorties ça yo? Est-ce que combien nous mettre? Mettra où Achille? Et est-ce que nous peut dire mettre là et mettre Raoul Achille? Est-ce que là mettre Raoul? Mettre Raoul. Oui oui, moi là, on est là, on est là. Est-ce que vous copiez ou vers cet hiver à question lien? Oui, c'est une situation difficile. Et c'est samedi à lui mettre la redis encore parce que il signe des défaites de l'autre. Dirigeant mettre conscience de son Pierre. Bon, on dirait que c'est deux matchs deux minutes à aujourd'hui à contre Akaé, dimanche prochain contre Garali. Des matchs à haut dirigeant obligé, exiger avec son chef pour faire un résultat positif. Sans ça, il y a beaucoup d'aller dans cette équipe là. Non, moi, question là, et excusez-moi, M. Achille, il était précis, j'aime bien dire, c'est de où même tu lis texte ça. Est-ce que dirigeant, yo mettez d'accord, c'est victoire à tout prix pour deux sorties ça, yo, ou bien si son chef fait deux matchs nuls, il y a qu'un bel parce que deux matchs quand même, et pas en risque. Négative, surtout sur faire un déplacement. Bon, match n'est pas positif, non, il n'est pas négatif, mais il n'est pas positif tout. Alors, qui doit si bien comprendre, c'est victoire qui c'est une obligation pour son chef dans deux sorties. Ça, il y a vraiment des résultats positifs, 4 points ou bien 6 points. Oh, 4 ou 6 points, ok. Dans le cas contraire, et monsieur a fait après et pas de sortie. Hein. Ouais. Oui, c'est la position pour son chef et dans ça. Bon, vous dites qu'on est là, ça, c'est le match. Oui, oui, nous, Maître Raoul Achille, avocat panouan depuis dans la cour, Gonaïve, les mêmes qui tapent nos updates de l'équipe Racing Football Club de Gonaïve. Là, on a prouvé de saler notamment Chenet, Justilien, qui a suivi nous là. Et nous avons là Samuel, Théodore, qui est bien connecté. Luna, Jeanne, qui a suivi nous là. Nous avons Jameson Fragile, Mac François, un petit homme qui est connecté nous là. Et surtout Carlos Blanc. Et Bensley Joseph, qui est notamment Abela et Joe Kebed, et qui a suivi nous là, Bensley Joseph, bon bagaille, et puis donc nous gagnons là Anel, Jean-Charles, qui est belle et bien connecté, et avec nous là. En tout cas là, vous êtes Fédi Ben, dirigeant et Racing Football Club, dès qu'on arrive, yo pas joué, depuis que Saint-Pierre pas sorti avec 4 points ou 6 points. Pot là et c'est mettre clair des potes là la rétablissante à là et pour l'autre monde aux ailes Saint-Hiver. Bon, et c'est Jean d'Abdi tout à l'heure, c'est ça que nous te gain comme information et pas amis nous Achille depuis ce maintenant. Mais qu'on y est là et comme yo pote et par contre une clarification pour moi qui donc essentiellement c'est 4 ou 6 points dans le cas contraire monsieur t'a supposé quitter. Mais qu'on y a, est-ce que élément racine point yo, est-ce que yo répond à exigence Songe-Pierre, ou du moins est-ce que c'est Songe-Pierre qui pas gagné formule pour permettre que équipe plan détacher tout bon vrai, décoller tout bon vrai? Bon, c'est grande question, mais malheureusement pas ouais équipe plan qui a joué pour moi, moi t'es capable de faire une opinion, même j'ai tout à l'heure de faire il aurait allé sur match FICA, sur équipe FICA, situation FICA. Mais ici, je n'ai pas ouais équipe là du tout. Je seulement ouais résultat. Et c'est vraiment inquiétant pour yo parce que yo fait un investissement, yo achampé le joueur. Il y a une façon que peut être capable de faire yon pi bon et deuxième tour. Et sous peut-être une série de clôtures qui pi bon qui ça te passe premier tour. D'autant plus, il a cherché et troisième titre yo qui est aussi nommé et troisième vitesse. Nous pas connaît et ensemble d'éléments ça ou du moins est-ce que c'est coach qui commence à perdre réflexe li et parce que dans le temps
Sonj Pierre yon coach qui assez respecté dans milieu an, il te fait travailler. N'a pas rappelé que monsieur était quand même entraîné sélection nationale là dans situation qui était très très difficile. Il était arrivé faire finale quand même dans zone Caraïbes là. Les ça n'a mené un goal à 0 et monsieur Trinidad yo te imaginer un blackout et yo bail. Et les absolus Wilson Chevalier qui te fait goal ça pour Haïti. Mais malheureusement, dans la deuxième fois, match à pas joué dans demain, si Dieu veut, eh bien, Trinidad te bat non 3-1 en finale. Et là, ça, c'est son chèque. Te fait une équipe avec Dwetli, parce que pas vraiment de moyens. Donc, c'est un entraîneur qui quand même a un passé, et qui a un nom, et qui compte faire bon résultat. Même si on te tourne toujours reproché que c'est pas un entraîneur contre champion, et il fait un bon premier tour, mais dans la fin championnat, toujours craqué. C'est ça qu'on a reproché, surtout les dépassages dans Aska. Mais quand même, c'est un entraîneur qui gagne non dans le championnat. Est-ce que monsieur commence à perdre le réflexe? Il commence pas capable de jouer une formule encore. Est-ce que et c'est ça qui a privé? Mais c'est certain que Racine, pour dépenser qu'il fait, pas à supposer dans la situation qu'il est là. Moi, je souhaitais que monsieur capable remonter Pantelan et s'il le faut que il pas capable remonter Pantelan quel bon l'autre monde chance li et peut-être Clénor et qui c'est ancien entraîneur équipe Rissina à succès peut-être c'est lui même qui va l'entrer dans porte ça et les songes finales ben nous poko là et parce que monsieur gon ultimatum de 4 ou 6 points qui ont exigé en dans équipe Rissina n'a pas de résultat aujourd'hui en face à Akaye. Oui, la n'a pas gagné là, mais la n'a pas gagné là, entraîneur que nous gagnons dans le pays d'Haïti là, et si tout son petit passe, un petit passe coûte, vraiment là, pas vraiment là, et mais entraîneur là, et chaque monde fait un coup, et après ça là, bon fait un coup, après ça on pose, yo pour l'autre, et puis l'autre là tourne, bon, en tout cas là, nous connaissons Pierre, vraiment là. Moi-même, à la vérité, Brutus, moi-même pensais que le championnat national là, il y a une grosse carence dans les affaires techniciens. Dans affaire coach, je pensais que c'est un travail qui vous fait en plus et dans le championnat parce que et pour moi-même, coach, il manque de travail. Manque de travail, il manque de fouiller, il finit pour une petite formation pour moi-même et puis au campé là, il pas fait plus. Et je pensais qu'il faut qu'il travaille plus et pour être capable de jouer un succès un peu capable. Parce que je vais regarder l'équipe de football qui a évolué, je me sentais que il y a un pile manquement. Et me cap compter sous Douette moi-même personnellement coach moi mais et façon que qui dans championnat actuellement là un coach en qui t'a là moi mais expression équipe li ou est son équipe qu'entraîner qui prépare on bagaille moi mais et Abela et un coach en coach John Sever et moi mais coach John Sever tout sentir son monde qui prépare on bagaille mais pas rien trop en pile dans le championnat. Je vais les citer tout non ou bien c'est deux ça qui passe dans la tête. Et si Télémac tout, David Télémac. Et je pense que monsieur Gentiba dans la tête tout. Et mais après ça, et. On est dans le championnat. En tout cas, Kenya Thomas, alors quand il passe tout, il faut un coup de tour. Mais chaque côté. Moi, je pense que le résultat parle pour lui, et il faut que nous mettions le tout, les Josapha, Kenel, le résultat parle pour lui aussi dans le championnat. On parle de coach qui dans le championnat, et pour Zamio, pas tellement confuse. C'est ça qui est en activité. Mais il y a un pilote qui est en activité. Mais ça, Kenel, joue... maintenant, c'est lui-même qui a entraîné l'équipe équipe Triomphe. Là, Triomphe. Triomphe, oui. Et où est-ce que lui-même. Une victoire là, et. Devant, absolument, oui, absolument. Ou pas capable de cracher sous ça. Et ou pas capable de cracher sous ça. Ou capable et peut-être mettre les résultats en question. Même Jean, vous mettez les résultats Zidane en question. Et ça fait à travers le monde. Mais est faire certain que, monsieur, vous avez résultat. Et si vous avez résultat, c'est un fait. C'est un fait. Et ou pas capable de parler néglamal de résultats positifs. Je pense que. C'est vraiment important et aspect ça faut coach yo travaille plus faut yo recycler et c'est pas avec des qui viennent prendre un papier ça a 10 ans mais on toujours été même côté on pas recycler pardon pas recycler ou pas fouiller livre là ou pas garder ça qu'a fait l'autre côté pour capable améliorer je pense que c'est un métier qui est très dynamique et évolution qu'a fait là dans tout temps faut monsieur fouiller oui c'est ça et
et il faut les messieurs là recycler là la pas gain moyen pour nous garder défendre on garde dit que ouais on va pas bailler la sélection hein ouais c'est un français pour venir bailler sélection hein mais faut qu'il y ait up to date faut qu'il y ait en mesure pour capable faire job là et mais si que et on va continuer travail bon et on voit que OK on parle cas pour niveau championnat lui-même li élevé aux ailes il faudrait tout le monde gain pour gain responsabilité par yo faudrait entraîner eux même et méthode de travail là faut qu'il capable élever et puis donc joueur eux même faut qu'il capable continuer pour le travail et puis donc pour capable gagner des résultats qui très positifs et puis donc faut gagner l'argent qui pour investir tout dans ça qu'a fait là et puis donc là si chaque monde t'a pris responsabilité là laisse ça n'a pas une sélection et des joueurs qui vraiment qui compétent et puis donc qui capable intégrer dans sélection et laisse ça nous capable de retenir un résultat et au niveau de la sélection haïtienne de football même parce que c'est ça et toujours a dit ça que quelque part et c'est fédération haïtienne de football qui quittait ça passé parce que et dans tout pays au monde et après championnat fini il y a un rapport qui fait il y a un rapport technique, il y a un rapport financier et il y a toutes sortes de rapports pour qui côté nier, qui côté besoin améliorer, qui ça peut changer et m'a pas quoi ça au fait dans championnat pas non surtout dans affaire rapport technique là et m'a pas quoi d'être rencontrer ensemble de et entraîneurs qui a coaché dans première division dans deuxième division pour qui ça a été gagné comme problème qui ça a été gagné et comme bagaille positive dans championnat ou bien qui ça a rencontré plus et comme difficulté non pas ouais ça a fait on pas quoi ça a fait alors que si on t'a fait yo t'es capable d'identifier ensemble problème yo et puis si gon monde qui estime que gen faiblesse dans tel secteur dans tel domaine et puis yo t'a vienne porter support pas ou t'a vienne porter apport pas parce que ou pas capable changer et un bon matin pour changer faut ou travail et puis ou évaluer travail ou an. C'est peut-être ça là où l'école oui c'est ça faire là où l'école c'est une raison où faut composer yo évaluer travail on soit apprendre ou apprendre pendant 3 mois et puis à partir de ça apprendre et puis on passe au examen sous lit et puis si vous sentez ou gain faiblesse dans tel bail là si pour reprendre classe on reprendre classe si vous gain note positive c'est que dans l'ensemble ou maîtriser soit apprendre pendant 3 mois c'est peut-être ça gain évaluation même dans cas pas nous en football là pas estimer que gain évaluation et après en Europe toujours gain ensemble de congrès qui a fait un ensemble de grands entraîneurs et viennent parler de football viennent dialoguer sur ça qui ça gain pour changer et puis instance qui concerne à tirer leçon yo prend note et puis yo avancer si gain amélioration pour faire pas nous yo les dirigeants nous aller là m'a considérer quelque pique au point et yo pas elle est arrivé dans congrès là pas rien qui parlait c'est après bon congrès le plus souvent les au fait britus c'est surtout et dans moment élection ou bien si c'est pas gain élection dans période ça c'est juste un petit bail boba et puis n'a préparé puis c'est fini mais pas gagner des discussions en profondeur côté gain monde qui pas d'accord qui a argumenté mais ça me gagne comme philosophie c'est pour passer et non pas que ça c'est mais comment par exemple comment tout dit président équipe yo et ta doit gagner yo ta doit réunir ensemble comme qui réunir ensemble président du club et des clubs et puis et puis yo pas connait discuter d'ensemble de problèmes yo gagné et yo ba bien charpenté et puis yo dit mais qui côté ou mais qui côté ou besoin arriver mais qui ça n'a fait pour nous faire et pour avancer mais non ça fait depuis seulement depuis tirage au sort fin fait et puis au fond yo simulacre tirage au sort et puis et telle équipe a joué telle première journée telle équipe a joué 15e journée et puis c'est fini même président équipe Claude équipe même salutation même pas rien bail ça là. Eh bien, ça m'a dit, je pensais que nous besoin unité dans le secteur, nous besoin et gagner ça les méthodes de travail pour nous capable avancer parce que ça n'a fait au lit archaïque. Moi même dit ça déjà m'a suivre championnat national première division depuis dans les 90 yo. Si m'a suivi depuis dans les 90 yo, moi c'est parce que même bagaille toujours fait. Pas gagner gros changement qui fait vrai.
c'est toujours même bagaille même répétition yo championnat a fini le fait même problème yo équipe t'es fraudé équipe t'es bagaille équipe champion équipe pas champion non après l'affaire de entre-temps profiter ça les tous amis cap sinon là nous gagne Logan Joseph depuis Chili Samuel Théodore depuis Brésil Nari Metelis Frankie Eloi depuis New York Luna Jeanne comment est l'abcade nous depuis Carrefour il y a Audley Gentil qui belle et bien connecté n'a pas des notamment n'a profité ça les Mackinson petit mec qui a fini là et n'a pas des tous amis chaque grand ami il connecté les bons pour nous partager mission là Dorival Reginaldo qui belle et bien connecté avec nous là chaque grand ami qui connecté les bons pour nous partager émission c'est là bon oui second tab dia ouvert les ouais ouais bien équipe a bien pas forfait affaire bah moi mal gagné pas forfait ça lui même ça pas gagné aucun sens pour moi même vous êtes senti ben on a fait que on l'autre équipe qui travaille sur le terrain et qui fait victoire par eux ou bien fait match nul et puis donc une équipe qui a gagné 3 points pas forfait you know même si que équipe qui gagne 3 points pas forfait c'est pas lui qui mettait dans position pour rien et 3 points pas forfait mais faut des dirigeants qui fait football là eux même faut que prendre des mesures drastiques. Par exemple, pour prendre exemple 3 points par forfait là, dans le championnat ça n'a pas joué là. Racing Club Haïtien perd devant l'équipe Tempête là, pas forfait. Parce que tout simplement Racing était supposé déplacer à Saint-Marc, Racing pas de gain préparation pour qu'on gain cob, tu un problème économique, Racing pas déplacé. À jeune Tempête, et Tempête gagne un match pas forfait. Et comme dans le règlement on dit si ou pas déplacé dans premier tour là, pour jouer avec une équipe, et bien dans le deuxième tour, hein, match où tu es supposé recevoir, c'est la CAI qui ou fait pas fait comme ça ou bien ou pas dans la CAI, hein, c'est la CAI match à jouer. Et ça fait que ouais, Racine. Oui, c'est pour moi, non, c'est pour moi, oui, que problème ça allait exister à nos juin 2019, alors que c'est bagarre moi-même depuis le Mzoum a suivi le championnat dans l'année 90, tu es contre une équipe qui pas déplacé parce que gagne un problème comme. Et bien en 2019, même problème ça a toujours existé, qui donc nous pas progresser. Nous pas avancer, nous pas apprendre de erreur nous yo. Nous pas apprendre et corriger et ça pas bon yo pour nous jouer une formule pour nous avancer. Bon, et c'est vraiment. C'est pas connaît. Vraiment un problème ça avec dirigeant pays, qui donc nous toujours pas être comme son monde qui très critique envers eux-mêmes, mais c'est eux-mêmes qui prennent possibilité pour toujours très, très critique là. Parce que. Non, mais nous pas venir là pour nous venir souffrir pas là bien et nous venir pour nous faire chez la petite frère nous saler où Ezekiel Thomas nous saler bon et nous pas venir là pour nous venir faire souffrir pas là bien nous venir nous que nous dit que vous faites pas là bien nous fait et l'autre des hommes qui fait pas là bien mais soit mal fait bon et papa dit que vous êtes bien fait non là mais ça vous êtes fait il va aller faire comme ça et si vous avez fait ça nous croyons que il t'a plus mieux. Ouais. Ouais, c'est ça fait que c'est ça fait critique nous pas jamais critique pour détruire et c'est ça fait que nous toujours pas placer nous comme donneur de leçons sauf que la constat que nous fait yo nous relater yo et dit et puis si nous gagne conseil pour nous bail conseil mais pas parce que nous voulons placer nous comme donneur de leçons peut-être monde qui n'en place ça et puis former m'pas on est plus bien préparé que nous-mêmes mais pendant que nous avons bien préparé ou formé, ou même pas qu'on est formation, enfin, c'est certain que. Côté ou dirigé, a montré que il y a des faiblesses qui palpables, tout le monde ouèl. Et nous répéter faiblesses, ça y est, nous pas avancer, nous pas apprendre de erreur, nous y et tout le monde qui pas apprendre de erreur, eh bien, ou pas le fouetter tout dans le poteau, dans tout le et ça que me pas vle, ça fait que nous a tiré sonnette d'alarme ça pour monsieur corriger ça pour corriger parce que l'a regarder niveau championnat national de première division c'est lamentable il pas bon et s'il pas bon faut nous mettre tête nous ensemble ça m'interpeller dirigeant football et club yo m'interpeller dirigeant de responsable qui tout là problème ça. Parce que c'est un gros problème financier, un gros problème économique. Mais si nous mettons nous ensemble, nous ne pouvons pas résoudre, mais nous ne pouvons pas tenter même.
fait de manière individuelle ou bien personnelle, et yon club de droit et institution, institution pas jamais répondu parce que m témoin gen club qui écrit yon institution pour ballon bourade, pour ballon sponsorship, et bien institution pas répondre club ça. Mais si on pas répondu, alors que si nous regroupons nous te dit mais qui est tactique, mais qui formule nous pour aller chercher un sponsor, nous t'entendons, nous, en tant que qui en association, eh bien, peut-être si nous t'avons proposé plan ça à secteur privé, hein, peut-être nous avons un résultat. Ou bien nous t'avons appliqué et tactique ça, nous t'avons dit nous pour chercher comme nous nous permettre de nous vivre là. Nous avons un résultat, mais après, chaque monde cherche ses affaires par eux. Alors que, à travers le monde, il pas fait comme ça et l'aime il pas fait comme ça parce que chaque monde pas chercher son sponsor par non mais on prend dans Ligue des Champions par exemple pour droit télévision il vient en bloc li aussi un bloc lié chaque monde gagne par à partir de résultat bas là à partir de match pour qui diviser et qui diffuser live c'est vrai en Haïti yo et me connoi au ba un petit grab d'ail dans sa Canal Plus bas là mais c'est quand même et si me veux répéter et sénateur te dit Aran et son petit bas Aran lié et ça au balance oui bat le deal ou deal mais c'est vraiment pas intéressant parce que nous pensais que nous étions capables de faire mieux. Je pensais c'est ça que pour me résumer ça me voulait dire et Wilfried c'est équipe pour mettre tête ensemble avec Fédération Haïtienne de Football pour travailler sur un plan pour capable joindre sponsor et puis côté technique yo et faille tactique technique qui gagne et l'équipe a joué me penser c'est responsabilité DTN après chaque championnat après chaque série pour ta rencontrer technicien yo non c'est ça moi me suggérer yo pas faire c'est ce que yo pas faire qui donc faut DTN travaille avec technicien club yo. Et l'aime si travaille avec eux, parle ensemble avec eux, et puis, travaille ensemble, pour qu'on ait qui sa faiblesse football national là, qui sa qui force nous. Et puis, sa force nous, si nous travaillons davantage sur lui, travail sur lui, sa faiblesse nous, si nous portons une solution, nous portons une solution ensemble avec lui. Mais nous pas qu'à laguer chaque monde fait affaire pour, ou tant que son savane, tant que son gagé, et puis c'est fini, je pensais qu'elle pas progresser, c'est comme ça, pas progresser. On fait des packages. Il y a un package pour chaque équipe qui a gagné. Bon, il y a des gens qui ont fait marketing pour eux. Bon, on a ces paroles, mais pas rien qui fait jouer. En tout cas, là, il faut pour le nouveau football, là, il est élevé. Il faut tout dans toute catégorie, il faut que nous travaillions sur eux. Et quand nous parlons là, pour nous parler de la sélection haïtienne de football, mais avant tout, nous rappelons que et dans ces femmes tiens là, équipe Don Bosco là et surtout dans classement et après 3e junior là Don Bosco lui-même qui est en tête avec 9 points Cavalli et AFC et Tempête et qui sera 7 points et surtout gain Violette qui gain 6 points Baltimore avec Wanamet équipe ça qui gagne notamment 5 points dans classement en fait un petit aller même pas oublier c'est 6 équipes qui pas gagner là. Et pour jouer playoff, premier avec deuxième là à parler au repos, et surtout on parle là, et troisième, quatrième, cinquième et sixième qui parle pour jouer match de barrage. Vous avez fait du bel, il était bon pour nous avoir une idée de classement et série, et classement série et FM tient les mêmes qui est très important, mais pour classement général là les mêmes, et surtout nous avons équipe AFA les mêmes qui est en tête avec 35 points, Domboso 32, Réadicap 32. Tempête à 31 près, nous gagnons équipe à Akaye, Racing Football Club de Gonaïve, équipe Sawa à 26 près, il y a Violette, Baltimore à 25, América de Kai qui gagne 24, et nous capables là, équipe qui est en bas là-haut, et si tout nous gagnons, Cosmopolis qui fait victoire par là, devant équipe Fika, nous gagnons 13 près, nous devons ajouter Mathieu. Et Cosmopolite là qui passe à 13 points maintenant. Et Racing Club Haïtien avec 14. Et Fika avec 18 points. Mais nous avons Mibalet qui a 19. Et nous sommes là. Et situation lui-même est vraiment compliquée. Et pour trois équipes,
ou vers cette dimanche, mais pour FICA les mêmes, on victoire et FICA a mettre FICA dehors côté Léa là, mais il faut des autres équipes là, c'est toi dans mettre Cavalier, Arsenal, il faut que l'équipe ça là, t'as dit ou vers cette dimanche. Bon, et c'était important pour te faire aller ça sous classement ouverture ou pardon clôture et général. Parce que des équipes tant que Cavalier connaît la situation difficile, ils ont bien démarré et jusqu'à présent ont fait 7 points. Et je pense que c'est vraiment bien pour eux et je souhaite au Québec comme ça. Et puis des équipes qui confirmaient tant que ASC et Don Bosco, parce que ils étaient vraiment pendant toute série, ils étaient au top et au Québec forme ça. Et me pense c'est très bien et puis équipe qu'après les Ogagno qui pour capable souquer quoi c'est des équipes tant que Cosmopolite FICA Racine qui toujours parmi trois plus mauvais équipes dans classe là et nous connaît ces trois équipes qu'a gagné pour à jouer troisième deuxième division cette année. Me penser que c'est une bataille qui commencé était en journée dans championnat, me penser de jouer un jeu la plus difficile, mais ou après que EKA est vraiment serré entre équipe qui nan bas classement, n'importe qui équipe qui calé yon match li capable changer don yo. Me penser c'est pas être intéressant et même si de jour en jour championnat pas être plus difficile qui donc et moun ki pral garder match yo maintenant tête non que de jour en jour match yo a moins belle n'a après moins spectacle parce que toute équipe ses résultats ou pas chercher ça. Et tout gros l'autre bagarre tout aux heures c'est dit là n'a pas avancé vers fin. Claude du championnat lui-même et Dijon et coach Fopiola et faut qu'il prend des mesures pour même bagaille entre et Valencia avec Racing Football Club dès qu'on arrive là pas arriver répéter encore aux heures Saint-Hiver. Bon, espérons que yo tire les leçons de ça qui t'est passé et puis yo prend les leçons. C'est ça que m'a dit tout à l'heure, me souhaiter que et tout bon vrai yo tirer les leçons de ça qui passé. C'est ça, très bien. Bon, et très rapidement, mesdames et messieurs, nous avons la sélection nationale haïtienne de football. Dans ça, il concerne les matchs et Ligue des Nations de la CONCACAF côté Haïti même. Tabal AV fait match avec l'équipe qui assoit dans le stade Silvio 14. Dans deux confrontations, ça, et côté équipe qui assoit lui-même dans le match aller. Il était AV bat équipe haïtienne dans un goal à 0. Puis donc, matre toi dans le stade Silvio 14 et nous t'abal gagné là Haïti lui-même qui t'abal fait match ça un match vraiment là qui pas rangé à faire pays d'Haïti lui-même et surtout gon affaire de Ligue B et qui a gardé pays d'Haïti maintenant aux ailes Saint-Hubert. Bon et c'était déjà un résultat qui pas favorable nous t'ai fait dans match aller et bien dans match retour en et nous vinn faire m'pas le pire mais contrairement à sa public là t'a penser que et m'te cap même dit le pire et parce que après nous fin faire yon défaite la Caïcuraso tout le monde t'est espéré que l'équipe n'ta pral faire yon victoire face à l'équipe Curaçao dans stade Silvio 14 en plus que nous connaît que c'est pas une équipe qui était vraiment d'emblée psychologiquement parce que tout simplement yo t'a gagné yon parmi yo qui t'est mouri et n'a pas eu de portier hein portier réserviste hein et bien ou après que mentalement normalement t'as supposé son équipe qui pas fine à 100% mais yo t'est vinn ban nos difficultés dans stade là malgré tout et incapable comprendre que les difficultés ça parce que c'est yon équipe haïtienne qui gagne et squelette li qui m'a parlé de m'a parlé parce que dans l'ensemble parce que toute équipe là moun ki a joué yo dans équipe côté a joué dans club yo pas titulaire et peut-être ça que yo t'ai fait 2 mois de cela yo perdu parce que c'est spolié depuis ou pas avancé ou bien bam dit dans général dans la vie de pour pas avancer ou faire back c'est yon ou l'autre c'est ou bien avancer ou bien ou faire back et bien li pas différent dans sport hein? Le fait que monsieur fait 2 mois yo pas gain rythme yo pas joué assez dans club yo pas entraîné parce que entraînement c'est yon mais pour gain rythme faut ou jouer match de compétition et bien majorité dans c'est banquette yo et dans club yo gain ça pas jouer même et bien et là ou t'es vinn jouer là ou t'es vinn faire yon coup et préparation
eh bien ça pas suffit, ou t'es capable de sentir équipe là et li pas gen rythme physiquement ou cassé. Et ça pas étonné nous que nous perdu l'en connait dans quelle situation que équipe ça t'a joué, qui donc c'est vraiment dommage. C'est une situation pour résoudre. Est-ce que n'a continuer les moun qui pas joué yo? Est-ce que n'a les moun qui a joué yo? Est-ce que signer les moun qui a joué yo? Est-ce que pas répondre à exigence football et zone nan jodi an? C'est un ensemble de questions que peut-être et staff technique là, membre bureau fédéral là t'a gagné pour répondre, parce que situation difficile et situation compatriote nous qui a qui pas joué dans club bio, et c'est eux même qui dans sélection qui titulaire, et il paraît vraiment difficile. Est-ce que nous pas jouer n'est qui dans championnat national yo, et nous sont dit tout à l'heure championnat national là niveau a pas bon, est-ce que nous capable prendre jouer ça yo? Et bien c'est ensemble de problèmes nous gagne pour nous résoudre, et pour sélection nationale là qui paraît très très complexe, parce que équipe là, pour équipe ça bon Wilfried, faut que nous faisons préparation minimum 22 jours. 22 jours et tout nèg ensemble nous préparer et nous concentrer, nous ka faire un coup. Mais à faire que prend jouer yo yon ou deux jours avant vinn jouer match football pour sélection, la très très difficile, parce que tout simplement jouer nous yo qui titulaire dans équipe nationale là, yo pas jouer dans club yo majorité dans yo. Ouais, c'est vraiment là. Et problème là, et surtout l'air que ou gagne des joueurs qui partitilaient dans le club yo, partitilaient dans le club yo là, et viennent jouer pour sélection lui-même, et ou viennent jouer un championnat qui pas gagne niveau, et ça permet, et son coup dit que ça y est pour nous. En quelque sorte, j'ai gagné Abdelan là, faut que niveau championnat lui-même est élevé, faut que niveau championnat élevé, et puis donc. Et on a besoin des joueurs qui a vraiment là prêt pour renforcer et sélection. Mais et là on a des joueurs qui a bien volé à l'étranger et qui donc qui partitilaire dans le club respectif, et on capable comprendre, nous capable faire un coup par chance. Mais et j'aime toujours dire là Ozel, on me lever la caille grand monde et non la pli et en caille pas capable tromper. Et soleil, mais il va tomber la pluie. En quelque sorte, il faut que le travail qui vous fait en ce sens, vous êtes cet hiver. Oui, mais ça, c'est ça me dit toujours dit que l'île que c'est qu'on nous fait dans le football, l'île que nous connaît que c'est 1, 2, 3, 4 n'a privé, mais c'est pas un privé, puis nous fait 1, 2, et puis les pour nous faire 3, nous tomber dans 1. Là, elle pose problème. Et problème ça, même les nous fait bon résultat dans compétition, nous pas capable de garantir que nous pas font bon résultat dans next compétition. Parce que tout simplement, il y a plusieurs paramètres que peut-être n'ayo pas maîtrisé. Paramètres économiques, paramètres et structure qui est dans la fédération. Ou bien paramètres infrastructure, parce que si nous avons un bon championnat qui tape jouer en Haïti, et peut-être nous sommes capables de passer nous de joueurs qui tape jouer dans le club à l'étranger, et bien nous épuiser de championnat national, parce que tout simplement, yo gen talent, yo gen un championnat compétitif, yo gen un rythme, yo gen expérience, parce que même joueur ça tape jouer championnat national, tu as fait plusieurs sélection nationale tout, et donc l'étape bien expérience, l'étape bien rythme, nous sommes capables de jouer ensemble avec eux. Mais qu'on est là, et j'ai l'impression que la fédération a fait choix, la plague école bon côté étranger, yo, même si yo pas joué, mais si yo si non club, yo respecté conditions, et par exemple hygiénique, et ont joué football, ils ont sportif, t'as supposé gagner, et conditions ça respecté, n'est-ce pas, fin d'entraîner, puis son parti cordé, il prend, qui charge graisse, ou bien son dur, il prend, qui charge graisse, et qui cap mal digéré, eh bien, il y a, comment on traite, il y a un nutritionniste, dans le club côté à l'étranger, eh bien, fédération, il y en a une petite tête pâle, il fait moun ça, il y a plus confiance, même si au pas joué match de compétition, mais entraînement, peut-être vaut plus, qui championnat national là, on connaît qui non niveau qui très bas. Peut-être c'est ça qui fait comme réflexion,
moi pas connais, c'est juste des hypothèses que m'a avancé, mais faire certain que gon côté ou arrivé ou pas cap tromper mon encore, et bien obligé aller dans vraie place. Peut-être nous dans ligne pour aller dans vraie place nous qui c'est Ligue BA, parce que Ligue A semble que nous beaucoup prêt pour lui. Merci ça, et vraiment là, et c'est une situation lui-même qui est vraiment difficile pour la sélection haïtienne de football. Et Abou Dalla et Dombia et Diabaté et puis donc Le Kenzi et François Haï et bien l'autre ami vraiment là qui a suivi nous là quelque part et nous saluons et nous souhaitons bonne écoute. Bon, en quelque sorte, vous avez senti bien et avancé et nous souhaitons que Fédération lui-même capable de pencher sous sous championnat et côté capable de travailler sous championnat et puis donc. Il y aura une des joueurs vraiment là et qui est capable, prêt pour intégrer dans la sélection haïtienne de football aux heures 7 hivers. Quelque sorte, nous avons prêté pour nous entendre pour nous suivre aux heures 7 hivers très rapidement. Nous parlons là pour nous aller à l'étranger. Si tout nous te gagné là et nous avons un championnat là qui vraiment là avancé là et si tout équipe FC Barcelona lui-même vraiment là avec Fati. Tu as fait une importante victoire hier aux Ailes Saint-Hubert dans le championnat d'Espagne de football. Jeune joueur, ça lui-même, vraiment là, c'est lui-même qui bourrait de talent aux Ailes Saint-Hubert. Fatih a 16 ans et je pensais que monsieur vraiment a marché sous trace des joueurs comme Messi qui ont commencé de très tôt, qui étaient très précoces, des Bohan, Kekichi Bohan, nous songeons monsieur ça. Mais par la suite, qui t'a pas vraiment enfoiré à nos jours, pas contre côté lié. Et Fatih, je souhaitais que je sois capable de gagner, même si je connais que, et dans le cas de Sayo, et je suis bénéficié de l'absence des joueurs tant que Suarez, tant que Messi, et qui pas là, et bien, il y a pas de chance, je suis bénéficié, je suis vraiment saisi chance. Et quand il y a là, question à poser, et les équipes là au complet, est-ce qu'il y a toujours pas de chance? Est-ce que le papa vient perdre confiance? Parce que si on ne continue pas à mettre la pral perdu dans la progression, est-ce que même si Suarez, Messi tourne, est-ce que M. Pata supposé occuper une place assez importante dans l'équipe Barcelona qui pour permettre que il progresse? Si toutefois que il est capable toujours et permettre que il gagne environ 20-25 minutes par match et dans l'équipe là malgré Gosselin-Drio, eh bien peut-être l'a toujours été confiant, l'a toujours capable de progresser. Mais si yo pas fait le confiance assez ou pas mettre l'assez, peut-être toute ça saute prend là, il est capable de perdre tout. Et me souhaiter que Valverde capable de faire gestion de jeune homme ça de 16 ans et qui montrait grand pile capacité, en pile talent. Nous souhaiter que dans 2 3 4 ans encore monsieur arrive confirmer et tout bien que en pile monde commence à penser de lui. Fatih vraiment là et nos complètes, c'est Ansouman Fatih, c'est lui-même qui naît le 31 octobre 2002. Il a 16 ans et place côté lui fait là, lui-même c'est Bissau, Guinée-Bissau. Et c'est lui-même, au terme, c'est Emmet 78, 5 pieds 10. Et c'est lui-même vraiment là, attaquant qui tout à fait intéressant. Et c'est lui-même. Qui passait notamment dans l'ERA 2009-2010, FC Séville 2010 pour arriver 2012, et puis donc 2012, FC Barcelone, et monsieur lui-même vraiment là, qui est dans l'équipe Jeune A, et Barcelone là lui-même vraiment, et nous avons pas là, monsieur lui-même qui est tout à fait intéressant, et monsieur lui-même qui a déjà joué 3 matchs, il marquait 2 goals pour l'équipe FC Barcelone. Ouzel Saint-Hubert. Oui, je pense que monsieur Paletil et équipe là en pile en espérant croiser d'être nous que monsieur Cap toujours été et avec même performance que le débuté et saison pour Barcelone. Ben, effectivement. Bon, en tout cas là et pour Barcelone lui-même, il fait victoire ça mais Luis Suarez monsieur lui-même qui entre en jeu dans un compte là et monsieur lui-même qui pas en prend plus de temps. Vous êtes arrivé marqué pour équipe FC Barcelona et Luis Suarez, c'est lui-même, c'est troisième meilleur buteur et championnat et dans quelque sorte pour équipe FC Barcelona
et Mister lui-même, c'est premier Ivoirien lui-même voilà, qui marque autant de goals comme ça aux vers cet hiver. Et pour Luis Suarez, Mister qui était blessé, qui retournait en grande forme aux vers cet hiver. C'est toujours important après une blessure et puis on capable retourner et pas un goal et me passer lui bon pour psychologiquement pour mental ou lui vraiment bon et me penser que monsieur est vraiment et bien démarré ça a bien sorti pour lui c'est comme des cadeaux monsieur gagne dans l'auto parce que il fait goal ça il va mettre en confiance la balle confiance parce que lorsqu'on est sous blessure ou toujours gain tendance que pour fin guérir net ou toujours et à prendre précaution et bien monsieur fait goal ça si toutefois les sous blessure il commence à faire 5 matchs il pas fait goal et bien ou t'a senti son joueur qui a perdu confiance mais le fait que le temps fait goal là depuis dans premier match il est retourné c'est vraiment bon pour moral Suarez et puis nous connaît Suarez c'est un bon buteur et lié même si des fois Koto pensait il pas le faire goal à le rater mais quand même dans l'ensemble on pensait que Hugo est capable fier de gros buteur ça et qui commençait ou bien marqué et passager en Espagne et parce que nous sommes prêté dans l'histoire comme un gros buteur en Espagne. Oui c'est ça et c'est tout Luis Suarez monsieur lui-même bon voilà et à 133 goals et dans le championnat lui-même et monsieur lui-même mais bon voilà et il devance Diego Forlán qui a 128 goals et qui a 128 goals maintenant et Luis Suarez à 133 goals dans le championnat d'Espagne là et même monde qui meilleur buteur pour l'équipe Barcelone là vraiment là les et même pour Liga même, c'est Lionel Messi à 419 goals et pour tout Barcelone, c'est César Rodriguez 190, mais Luis Suarez à 133 goals et c'est un chiffre qui est tout à fait intéressant pour Higuain là et Ouzel Setibé. Oui, parce que j'aime d'abord, c'est vraiment intéressant pour lui et par contre, je suis en Espagne depuis qu'il était en Angleterre, je suis révélé comme un gros buteur, comme tout le monde était connu tout déjà. Monsieur seulement confirmé et jodi am jeune en tête et Liga comme Hugo. Bon, et le Nabgade là pour équipe Real Madrid là et Karim Benzema monsieur lui-même qui vraiment là et a marqué Tigrin Golio là pour équipe Real Madrid Karim Benzema monsieur lui-même qui était marqué doublé 25e et 31e minute de jeu et puis donc t'as marqué Casemiro et qui a marqué 3e goal là pour l'équipe Real là mais Real lui-même vraiment qui était souffri de massa mais il était arrivé faire victoire en quelque sorte devant l'équipe Levante à 3 goals à 2 d'après là Karim Benzema monsieur lui-même qui déjà à 4 goals pour l'équipe Real Madrid là au 0 et 4 matchs 4 goals on pensait que c'est assez intéressant pour Karim Benzema. Et si monsieur est capable de continuer comme ça, son équipe qui a fini saison à 38 goals. Et bon, est-ce qu'il peut arriver à 38 goals là, effectivement? Mais c'est pas certain parce que tout simplement, nous connaissons Karim Benzema et plus goals il fait dans la Liga, c'est environ 22 à 23 goals. Et généralement, ou pas même généralement, c'est le plus gros et goal, monsieur, puis gros quantité de goals monsieur fait dans la Liga, c'est 23 goals, si je ne me trompe pas. Et alors, est-ce que monsieur peut le casser et dans la route, nous ne connaissons pas, mais s'il a prêté comme ça, il a fait 38 goals, quand même, c'est un bon bagage pour l'équipe Real là, si toutefois Benzema a prêté ce problème. Mais maintenant, ça y est, Babdi là, il te connaît CR7 là qui te connaît Barrel. Mais est-ce que Konya là, la Gemon qui a barré dans l'équipe Real là, s'il va blesser? C'est la grande question qu'il va poser. Bon, c'est sûr que il décon gagne CR7 qui t'a barré ben l'année dernière CR7 pat là. Il pas fait mieux et peut-être bien travail il fait plus et pendant été hein. Nous souhaiter ça pour lui, nous souhaiter qu'il capable aider et entraîneur qui gagne en pile confiance dans l'île faire en pile confiance c'est pour monde qui a joué sous doute est-ce que si me fait ça coach pas je me mettre encore mais c'est un monde coach en bail vraiment confiance à 100%, les gens pile confiance à donne qui donc son monde qui bouge à cœur posé et afin que il remplit ça que le gain pour remplir hein, pour pas vraiment décevant par rapport à sa coach te gain la donne comme confiance qui donc c'est monsieur Pananka et Jovic même qui pour capable vraiment
joindre confiance coach là, même j'ai déjà joindre confiance coach là, et c'est on habitué dans cas là, c'est on un joueur Real qui puis en signe à côté de Ramos et brésilien et bien Marcelo, et bien c'est monsieur qui ancien, c'est groupe nèg ça qui ancien dans l'équipe là, qui donc son monde qui connaît Kaila, normalement monsieur t'a supposé et pour manger dans Kaila. Et n'a pas les derniers résultats, Real Valladolid Osasuna un gol partout, Grenade Celta Vigo 2-0 pour Grenade, Alavés FC Sevilla 1-0 et Iba Tomé Espagnol devant équipe Espagnol de Barcelone 2-1, FC Barcelone FC Valence 5-2. En dessous, Fatih Diop marqué, Frankie De Jong marqué pour l'équipe FC Barcelona, Gérard Piqué et Luis Suarez marqué doublé 1. Real Sociedad fait tomber équipe Atlético Madrid la 2-0, Villarreal Leganés 3-0, Real Madrid Levante 3-2. Donc après là et classement FC Séville qui est en tête avec 10 points, Atlético Madrid 9, Real Madrid Atlético Bilbao a 8 points, mais donc Barcelone qui montait en 5e position maintenant, avec 7 points, puisqu'il était en 8e position. En quelque sorte, victoire, ça, les mêmes sont victoires qui tout à fait intéressant pour l'équipe FC Barcelone. Mais si on prend direction de l'Angleterre, ou Zell, et nous capables là, équipe Manchester City, à les mêmes, vraiment là, défaite ça, c'est pas une défaite qui rangeait à faire équipe Manchester City, hein. Vous avez dit bien, puisque Liverpool lui-même, vraiment, qui devant équipe Manchester City, puisque deux équipes ça là, les Bavlés, qu'on ne Bavlés qui de l'autre, mais équipe Liverpool a gagné 5 points d'avance par rapport à équipe et à équipe Manchester City. Vous avez dit bien. Bon, et c'est presque remake championnat qui était fait l'année dernière en Angleterre, et côté non gros bataille. City face à l'équipe et Liverpool là. À un certain moment, City était démarré et était gagné avantage sur l'équipe Liverpool là, n'a pas le perdu. Avantage ça, Liverpool n'a pas le prendre. Jusqu'à ce que dans fin championnat, Liverpool font ensemble deux matchs nuls qui fait que City fait tout le championnat là gagné, qui fait City champion sur l'équipe Liverpool là pour un point. Et année ça, nous ouais depuis championnat démarré. Si Liverpool, c'est le même qui gagne avantage là, suite à un match nul, équipe City en fait, eh bien, City vient compliquer la ville encore côté l'Alpes du hier, et bien, qui vient faire que Liverpool gagne 5 points en plus. Mais tout ça, en y est pour qu'on joue parce que tout simplement, c'est un championnat qui est assez long, et pour aller gagner plusieurs autres, faut pas qu'on le fasse encore, ni bon côté. Et City ni bon côté Liverpool et année passée mon quoi Liverpool perd un seul match après ça elle fait plusieurs matchs nuls qui permettent que li pat remporter compétition et puis année ça le mettre attendre nous et à même bagaille ça encore bataille City face à l'équipe Liverpool là une équipe Liverpool qui paraît et gain plus confiance que l'année dernière même qui donc et penser que c'est intéressant pour eux-mêmes mais son équipe qui gagne en pile temps pas champion dans la première ligue là et penser que année ça peut-être ils pourra concentrer tout effort pour capable champion parce que plusieurs fois ils ont pas champion dans championnat c'est tout simplement et bagaille qui assez bête ou bien pas connait est-ce que chance pas bon côté dans moment ça yo mais yo kon joué des fois pour champion et bien gon équipe et qui toujours et dépassé notamment équipe City hein sur deux dernières fois City champion c'est équipe Liverpool là qui fait tête li et au Barney qui punit tête li nous songer goal ça Steven Gerrard té by Chelsea qui t'a pas le permettre que City dépasser devant mais ensemble de faute mais en gros on pensait c'est un championnat qui ouvert et qui parle d'une grosse bataille entre City et Liverpool. Et c'est ça. Watford, Arsenal, deux goals partout. Pierre-Emerick, Aubameyang, qui marque le doublé là. Et pour Arsenal, et écoutez, rencontre ça, les mêmes qui terminent. Deux goals partout entre Watford et Arsenal. Pourtant, Arsenal a mené 2-0. Et je pensais que et si Arsenal a mené 2-0, et puis au quitter égaliser me penser gon bagage pas marcher et qui donc gon petit problème me penser que coach là gain mal pour le faire
coach espagnol là. Absolument. Et mais il y a un petit travail pour le faire parce que gagner l'OAB joue en championnat qui aussi c'est comme ça gagner des points que vous pas perdu. Yeah, et on capable là et deux points ça qui lâché là et qu'à cause et parce que gagner ça concerne la Ligue des Champions qui est en jeu dans ce sens ça. C'est pas seulement titre. L'OAB championnat là, il est pas seulement titre, il y a fait de place pour Ligue des Champions qui est en jeu dans ce sens ça ou Zel Saint-Hiver. D'accord. Absolument. Yeah, c'est ça. Bonne mort pour Everton 3-1, Norwich City, Manchester City 3-2. C'est la première défaite équipe Manchester City. Alors, Sergio Aguero et puis donc Hernandez, ça a été marqué pour City. Overhampton, Chelsea 5-2. Et bon, nous sommes capables là pour l'équipe Chelsea. Là, et gagné là, et Fikao Tomori et qui était arrivé marqué. Et puis donc, tu as gagné là. Et Tammy Abraham, c'est lui-même qui a marqué. Il y a un hat-trick, 34e, 41e et 55e minute de jeu. Et puis donc, il y a Mason, Mouton, qui était arrivé marqué dans la fin de la rencontre. Mais c'est United, Leicester City, un goal à 0. Tottenham, Crystal Palace, 4 goals à 0. Eric Lamela a été marqué. Il y a son nom. Et il y a la Vanda. Et surtout, Vanda qui était arrivé marqué. Il y a quelque sorte été marqué. Mais il y a son qui était marqué en doublé. Baton, Benley, un goal partout, Sheffield United, Southampton, un goal à zéro équipe, Southampton, et Liverpool qui d'abord, nous cassons 3-1, mais ça qui nous d'abord, vous avez cette hiver, nous avons une équipe, Chelsea lui-même, qui est des jeunes, vraiment là, c'est tout, Tammy, Abraham, Mister lui-même, qui est tout à fait intéressant pour Fok Lampard, et vous avez cette hiver. Bon, et c'est toujours comme ça, toujours important, toujours intéressant pour nous découvrir jeunes, parce que c'est non que mon football n'a pas habitué ensemble avec et puis au bas au chanceux, eh bien il a confirmé et chance que tu es baouan, c'est pas parce que tu es remis forme tête, c'est parce que tout simplement tu as un talent. Moi je pense que toujours intéressant pour mon football là et monsieur a fait et justice à coach Lee qui s'est Frank Lampard qui t'a fait confiance depuis saison a commencé, monsieur toujours rendre service à l'équipe Chelsea et monsieur parmi plus bon buteur qui gagne dans championnat après quelques journées qui jouait dans championnat. Mais on a grande question, combien de temps ça peut faire comme ça aussi efficace, nous pas connaître est-ce que la cap kembe, mais ça seulement nous souhaiter que monsieur rete comme ça ou bien faire plus toujours, montrer plus toujours pour permettre équipe Chelsea avancer et puis pour nous découvrir l'autre nom parce que ça fait longtemps et nous n'a Messi Ronaldo, nous si j'ai commencé fatigué. Après Messi Ronaldo, il fallait nous gagner des jeunes qui capables et qui prend la relève en quelque sorte nous avons des jeunes vraiment là qui tout à fait intéressant. Mais il y a des joueurs là et surtout le gain Sadio Mané et joueur Saola, Mohamed Salah et Mohamed Salah pas tellement grand chose pour Mohamed Salah et surtout avec victoire Liverpool fait là. Même si Salah a marqué hier, même si Salah a marqué hier, oui. Et puis donc Sadio Mané marque un doublé 28e et 40e minute de jeu, mais en quelque sorte même si ça l'a fait un superbe goal et même c'est surtout ça qui est intéressant dans le goal là, c'est passe et Firmino ballon et côté il fait en premier et contrôle plat pied et puis et avec pied droit il fait contrôle plat pied droit là et puis il bail ballon avec plat pied gauche lui en sorte de roulette et qui donc et c'était vraiment intéressant et pour passer ça monsieur t'ai fait pour permettre ça là t'ai marqué goal ça pour l'équipe Liverpool là. C'est vraiment intéressant. Oui, mais nous savons que 2-3 ans de cela, et nous avons senti que nous avons gagné un Sadio Mané qui était très en forme. Mohamed Salah, merci bien. Mohamed Salah. Et 2-3 ans, nous avons senti que Mohamed Salah qui était plus en forme, qui était plus puissant. Je connais ce que c'était après blessure qui fait M. Vino Dijan. Et je vais être M. Vino réduit maintenant. Vous avez senti bien. Oui, absolument, on est sportif, c'est pigo et demi sportif, c'est les affaires blessures. Hein? Et ils ont blessé, ils ont chambardé, changé tout. Et ils ont une façon que je te conjoué. Et par exemple, même Ronaldo, brésilien, après blessure, monsieur vient changer façon que le conjoué. Qui donc c'était un autre joueur de football. Et grand pile joueur qui passait dans situation ça. Blessure, c'est un pigo. Et demi, yon sportif capable. Voilà. Mais quelque sorte, nous, mais, là que nous avons
des joueurs qui vraiment consistants et sans qu'il n'y ait pas blessé et les faire permettre, je vais te aller même, plus spectacle aux Saint-Hubert pour Feigno aux Saint-Hubert à travers le monde. Absolument, parce que c'est vraiment important et pour nous capables de jouer un nouveau joueur et sous marché qui vous permettre que nous découvrir le talent. Effectivement. Et dans le classement, vous êtes dans le classement championnat de football, là, nous arrivons en tête. Liverpool à 15 points, Manchester City en deuxième est 10 points, Tottenham est réunis en troisième position du prêt. Manchester City a eu prêt, Leicester City a eu prêt, Chelsea, Arsenal et Kissa Réunion a eu prêt dans le classement championnat d'Angleterre de football. Direction de l'Allemagne pour nous voir la Bundesliga, une Bundesliga les mêmes, une équipe Borussia Dortmund vraiment qui était arrivé imposé dans un compte qui était arrivé jouer et surtout Borussia Dortmund lui-même qui était arrivé imposé au dépens de Bayer Leverkusen 4 goals à 0. Vraiment c'était une victoire qui était tout à fait intéressante pour l'équipe Borussia Dortmund aux Saint Hubert. Et Boutus, malheureusement, pas qu'à fin faire international avant parce que mon exigence est pour m'être allé au international ça déjà. Malheureusement, pas capable parce que tout simplement, j'ai une autre obligation que mon compte déjà malheureusement, pas qu'à faire international avec vous, parce que dimanche, là, on s'est parlé encore et dans les affaires sport. T'es content ensemble avec Mounio? Et je souhaite que tout le monde va porter au bien, que va arrêter de brancher l'émission pour suite émission. Mais quant à moi-même, de content ensemble avec nous, Brutus, n'a pas parlé encore. Merci bien, Ouzé Saint-Hubert, et bonne semaine, mon ami. D'accord, Femme. D'accord. C'était donc notre confrère, notre cher ami, Ouzé Saint-Hubert, depuis Orlando, à l'espace de Vision Sport Magazine. C'est notre confrère, notre consultant. Et à l'espace de Vision Sport Magazine, il a parlé tout les nous, tout fatigue nous, vraiment qui a suivi nous de près ou de loin. Nous comptons pour nous capables de retrouver dans espace là, puisque c'est espace par émission qui vous apprécie en plus les mêmes, qui c'est Vision Sport Magazine. Nous continuons avec la ronde des stades, et côté d'après, et différents championnats. Et au PO là, nous déjà, ouais, championnat d'Espagne, championnat d'Angleterre maintenant, et c'est le tour de la Bundesliga, côté nous, ouais, résultat qui était effectué dans le cadre, et journée qui était arrivé jouer dans le championnat d'Allemagne de football, qui c'est la Bundesliga, et nous, ouais, et victoire de l'équipe Borussia Dortmund au dépens de Bayer Leverkusen, et 4 goals à 0. Et puis donc, équipe Paderborn et de fait de Paderborn au dépens de Schalke 04, 5 goals à 1. Offenheim, Fribourg 3 à 0 pour Fribourg. Leipzig, Bayern Munich, Martinil. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen 4 goals à 0. Et côté nous gagnons Paco Alcacer, mais c'est lui-même qui était scoré pour Dortmund. Marco Reus, lui-même qui est arrivé, Macron doublé. 50e et 90e minute de jeu, puis donc, côté Guillaume Guéo lui-même, qui était marqué à la 83e minute de jeu, victoire de Borussia Dortmund au dépens de Bayer Leverkusen, 4 goals à 0. Et équipe Augsbourg, une fois 2 à 1, Union Berlin, Werder Bremen, 2 à 1 pour Werder Bremen, Mayence est à Berlin, 2 goals à 1. Et nous avons gagné, équipe Fortuna Düsseldorf, Augsbourg, un goal partout, classement, dans le classement, mesdames et messieurs, nous. Rejoindre équipe Leipzig en tête avec 10 points. En deuxième, Borussia Dortmund avec 9. Fribourg en troisième avec 9 points. Bayern Munich en quatrième, 8 points. Wolfsburg, 8 points. Et Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen et Kisayo retrouvé à 7 points. Mesdames et messieurs, non, ça y concerne le championnat d'Allemagne de football. Nous allons prendre direction de l'Italie pour nous avoir un championnat d'Italie lui-même, qui est un championnat d'Italie lui-même qui a fait petit bonhomme de Chemeli, et Genova, Moussa Kone, et Kudadio Junior, et Marco Yaya, et Ahmed Misra,
Et nous saluons nous toutes, vraiment là, qui belle et bien connectée. Émission ainsi là. Et dans le championnat d'Italie, mesdames et messieurs, nous apprenons direction l'Italie pour nous le championnat d'Italie. Et nous, dans le cadre de la troisième journée, et AS Rome, soit solo 4 goals à 2 pour l'équipe. Pour l'équipe AS Rome. Pam, Cagliari 3-1 pour Cagliari. Spal Feria, Lazodrome 2-1. Victoire de Bologne au dépens de Brescia et 4 goals à 3. Et Atalanta Bergame Genoa 2-1. Inter de Milan, Udinese, un goal à 0 pour l'équipe Inter de Milan. C'était donc Stefano Sensi qui était arrivé scoré. Et nous avons la victoire de Naples au dépens de Sampdoria. Et 2 goals à 0. Dégué Matens qui était arrivé marqué doublé pour l'équipe Naples 13e et 67e minute de jeu. Et Martin Evieille entre Fiorentina. Et la Juventus de Turin, 0 but partout. Et classement, nous gagnons là notamment équipe Inter de Milan qui est en tête avec 9 points. Bologne, Juventus à 7 points. Et puis donc Naples qui rejoint en 4e position avec 6 points. Torino 6 points. Atalanta Bergame lui-même à 6 points dans le championnat. Dans le championnat d'Italie de football, nous allons voir comment ça y est pour l'équipe Milan AC, mesdames et messieurs. Et Inter de Milan qui est en tête avec qui c'est donc Vision Sport Magazine avec Zami Pa Wolfried Boutis à l'antenne. Équipe Milan AC lui-même qui saute là puis avait fait victoire. Son match qui va terminer maintenant et surtout nous gagnons Milan AC qui a mené un goal à 0. C'était donc Piatek. Piatek lui-même qui était arrivé marqué à la 60. 8e minute de jeu sous pénalité pour l'équipe Milan CA, Milan lui-même qui se route là pour arriver à faire victoire ça dans ce qui concerne le championnat d'Italie de football. Et puis donc, dans le championnat de France là, côté nous gagnons là, et rencontre qui était arrivé jouer, et surtout Neymar lui-même qui va le permettre à l'équipe. Et à l'équipe Paris Saint-Germain, au même tabal, a fait victoire ça dans le compte qui était arrivé jouer, mesdames et messieurs, dans le championnat. Dans le championnat et de France, là, lui-même. Et au capable de dire ça, vous voulez, de complètement Neymar, et des caractères, monsieur, mais talent, monsieur, vraiment là, ou capable de jouer avec ça. Mais là, en parlant de Neymar, monsieur lui-même, vraiment là, qui bourrait de talent, mesdames et messieurs. Avec votre émission et Vision Sport Magazine. N'a pas bien salé toute fatigue vraiment qui a suivi nous de près ou de loin. Et nous comptons d'être fait choix et pour tant de nous
Agéric Sefa, nous saluons Zami Pam, Agéric Sefa qui a suivi nous là, Wilson Edmond qui bel et bien nous connecté, nous saluons mon ami et tous les amis là qui continuent à suivre nous là et nous demandons de nous capables de continuer et share de live et partager l'émission. Hein. Ou capable capable permettre yon l'autre ami yon l'autre fanatique vraiment capable suivre émission c'est là qui fait et émission par où émission que ou apprécie en plein les mêmes qui fait Vision Sport Magazine avec Zimpa ou Foot Boutique à l'antenne championnat de France là les mêmes surtout nous t'a parlé de Neymar les mêmes qui permet qui arrive jouer premier rencontre là pour équipe Paris Saint-Germain hein. Et une équipe Paris Saint-Germain les mêmes qui était vraiment en difficulté dans le parc des Princes là hier mesdames et messieurs dans le temps additionnel yo vraiment côté Neymar ça va le permettre à l'équipe Paris Saint-Germain yo même était arrivé faire victoire yo dans le championnat c'est là malgré il y a pile monde vraiment là qui t'a plein qui t'a plein concernant de Neymar et si tout nous connaît que Neymar les mêmes qui dit que les mêmes li te vle quitter elle vle aller quitter qui Paris Saint-Germain là mais ça pas arrivé fait en quelque sorte il te dit ça et il te fait au compte ça mais vraiment là et nous capable là Neymar monsieur lui-même vraiment qui était arrivé marqué pour équipe Paris Saint-Germain côté nous balle là pour venir avec tout résultat qui était effectué dans le championnat de France de football non compte qui était arrivé jouer mesdames. Et c'était donc dans le 5e journée à côté de nous venir avec tout le résultat complet mesdames et messieurs dans le championnat de France de football. Magazine et dans le cadre 5e journée du championnat de France de football Ligue 1 Saint-Étienne Toulouse 2 goals partout Nantes bat équipe Ouemslan un goal à 0 Dijon Nîmes 0 Bibatou victoire de Montpellier au départ de Nice 2-1 et Brest Rennes score de Paris de Nîmes et Vierge 0 Bibatou Bordeaux Metz 2-0 Et Paris Saint-Germain eux-mêmes, Strasbourg, côté, c'était donc Neymar qui te permet à l'équipe parisienne eux-mêmes de faire victoire à ça au départ de Strasbourg. Yon goal à 0. Équipe à maintenant Lyon, ils ont fait un match de 2 goals partout. Lille, Angers, 2-1 pour l'équipe Lille. Écoutez, à l'heure actuelle, équipe Monaco, Marseille lui-même, son compte vraiment là qui a parlé dans ce là. Et surtout, rencontrer les mêmes vraiment là qui a joué, mesdames et messieurs, entre équipe Monaco avec Marcella les mêmes, côté équipe Marcella les mêmes, qui a dominé, je m'excuse, qui a dominé équipe, qui a dominé équipe qui est Monaco les mêmes, 4-3, et Marseille qui a mené 4-3, donc c'est de Toulouse vraiment, c'est donc 2 goals partout. Monde qui marquait pour l'équipe Marseille les mêmes c'est Dario Benedetto qui arrivait marquer puis donc Valère Germain Dimitri Payet Dario les mêmes Dario Benedetto les mêmes qui était arrivé marquer doublé puis donc Dimitri Payet qui était arrivé marquer pour l'équipe Marseille là mais pour Monaco les mêmes on a gagné Ben Hedder qui a marqué sous pénalité et qui a marqué le deuxième goal. Et monsieur lui-même qui m'a doublé pour l'équipe Monaco. Et donc Keita Baldé lui-même qui est arrivé marqué pour l'équipe Monaco là. Mais l'équipe Marseille lui-même qui saute là. Pour arriver à faire victoire ça. Mesdames et messieurs.
Vision Sport Magazine. Vision Sport Magazine. Allez vite, nous parlons là pour nous terminer l'émission là, mais n'a pas rappelé que Paris Saint-Germain qui est en tête avec 12 points, Rennes avec 10 points et nous retrouvons Nantes qui rejoint en 3e position avec 10 points, en 4e Lille, et Lille, Nice, Angers et Kisayo à 9 points. Mesdames et messieurs, mais nous sommes capables là pour classement BTA les mêmes, c'est Joël là les mêmes, c'est Osimhen qui a 5 goals et puis donc gagne là Dembélé et qui a joué dans équipe Lyon qui marque 5 goals, Depay qui a joué dans Lyon qui marque 4 goals, mais en quelque sorte meilleure attaque à l'aller pour équipe Lyon et qui marque 12 goals et puis donc meilleure défense équipe Paris Saint-Germain OMS deux équipes ça voilà recevoir 2 goals dans le championnat de France de football, mais capable là et goal Neymar, c'est donc qui ont super goal bien tard de là et c'est tout Neymar qui était voulu et qui était équipe ça, mais vraiment là et ça pas arrivé fait côté yon transfert les mêmes, mais qui pas arrivé fait puisque dirigeant Paris Saint-Germain là pas vraiment intéressé peut-être arrivé et fait transfert ça, mais en tous les cas là Neymar, mais c'est lui-même vraiment là avec talent monsieur, mais c'est lui-même qui mettait tout le monde d'accord et ça qu'il était fait à lui-même, c'était un goal qui était tout à fait intéressant pour équipe Paris Saint-Germain. Mesdames et messieurs, pas oublier, on va suivre émission par Rouen qui c'est Vision Sport Magazine avec Zimpar World Foot Boutiste à l'antenne. C'est ça. Et au capable et au capable toujours continuez à partager l'émission là, ou capable d'inviter des amis vraiment pour capable suivre l'émission c'est là, puisque c'est émission par émission qui est appréciée en plein lui-même, qui c'est Vision Sport Magazine avec Zimpar World Foot Boutiste à l'antenne. Dans d'autres informations, mesdames et messieurs, si tout nous gagnons là, et gagnons là, ça concerne éliminatoire Euro 2020. Et si tout a balle gagné là, équipe Monténégro, qui t'a balle tombé devant République Tchèque, 3 goals à 0. Angleterre, Kosovo, 5 à 3. Luxembourg tombé devant la Serbie 3 à 1. Nous t'a balle gagné Lituanie, même. Qui t'a balle fait front devant le Portugal, 5 à 1, contre Cristiano Ronaldo, qui t'a marqué, et 4 goals là, contre ça. Et Moldavie, la Turquie, 4 goals à 0. La France, Andorre, 3 à 0, et puis donc, équipe arménienne qui te bat, Islande, 4 goals à 3, et dans le compte qui te arrivé à jouer, mesdames et messieurs. Et donc, après voilà, et si tu as bien parlé qui t'a fait, et si tu as bien parlé avec ce là, Devant l'Espagne, il était arrivé marqué 3 goals devant l'Espagne.
les rencontres avec Crédit National et Cristiano Ronaldo, c'est lui-même qui vraiment là qui a une difficulté pour arriver marqué devant Crédit National, mesdames et messieurs, en quelque sorte devant l'Espagne et dans le Coupe du Monde qui était fait dans le pays, la Russie à lui-même, qui s'est quitté et arrivé marqué 3 goals devant l'Espagne, mais après ça, devant l'Italie, l'Angleterre, le Brésil, l'Allemagne. La France, il va arriver à scorer et devant l'équipe Saola, mais en quelque sorte, et devant l'Espagne, j'ai marqué 3 goals, mesdames et messieurs, mais Cristiano Ronaldo, c'est lui-même qui se là pour être capable de venir comme meilleur buteur de sélection compétitive, mesdames et messieurs, qui est à 95 réalisations, mesdames et messieurs, et c'est simplement iranien, l'université de l'équipe Ali Daei. Et il y a 9 goals, mais Cristiano Ronaldo à 93 goals, ou bien, comme quoi les mêmes, c'est Ferenc Puska à 94, ou bien Cristiano Chi, Kamamoto, Kamamoto, qui s'est mis à 80 goals, ou bien, Coquet d'Italie, avec 79 goals, qui est là, Saïd, avec 78. Edson Arantes, Pelé, et à 77 goals. Notamment, Bacha Abdoula à 75, Kida Firou à 71, et la Fadier Abdoula à 71, et Jackie c'est lui-même qui. Avec le total de 41 qui est là
et notamment Olivier Giroud à 36, David Trezeguet 34, et Vidal lui-même à 31 réalisations. Mesdames et messieurs, et finale pour les Pays-Bas lui-même, nous gagnons là, et les Pays-Bas, nous gagnons là, notamment, 20 merci à 50 réalisations, Clarkson était là à 40 réalisations, et si tout nous gagnons, Patrick Coulevet, nous c'est à 40, gagnons là, Beckham, 37, et gagnons, Robbins à 37 réalisations. Pour l'Argentine, nous retrouvons Messi qui est en tête de liste. Lionel Messi à 68 réalisations. Et Gabriel Batistuta à 54. Sergio Aguero 40. Et Hernan Crespo 35. Et Gomez Adona lui-même avec 34 réalisations. Et pour Portugal, pour terminer, Cristiano Ronaldo lui-même à 93 réalisations. Mesdames et messieurs, et surtout dans le compte de ce jeu. Pour Portugal, les foot marqués 4 goals. C'était à 93 réalisations. Et puis, il y a là, Paoletta et à 47 réalisations. Et il y a là, notamment, Zabio lui-même à 41, Luis Figo 32. Et là, Nunez Gomez à 29 réalisations en quelque sorte. Côté nous sommes barreaux là, mais habiter Papé Yola et surtout Cristiano Ronaldo lui-même, le jeu actuel vraiment là, qui gagne autant de goals comme ça à 93 réalisations pour CR7 là. Mesdames et messieurs, nous croyons que c'était tout à fait intéressant pour devenir avec Cristiano, mesdames et messieurs. Et bon, et nous pour aller là dans ça qui concerne la Coupe du Monde de basket. Côté nous gagnons l'Espagne même après 2006. L'Espagne même arrivé gagne la Coupe du Monde de basket là. On dépend de l'Argentine, mesdames et messieurs. La Coupe du Monde de basket là qui t'a fait et dans le pays la Chine. C'est l'Espagne même qui arrivé imposé, mesdames et messieurs. Dans la Coupe du Monde de basket là, lui-même qui t'a fait dans le pays la Chine. Vous arrivez battre et vous arrivez battre notamment pays l'Argentine dans le Coupe du Monde de basket là après 2006, c'était l'Espagne même, vous arrivez remporter deuxième titre mondial dans l'histoire, vous êtes arrivé imposé en finale contre l'Argentine 95 à 75 avec un groupe qui est vraiment expérimenté, vraiment là qui était émené par Ricky Rubio et qui était arrivé sur les 20 près. Et puis dans le cas, il y a un Mac Castle, vraiment là, qui arrive pour doubler. Une équipe espagnole même, vraiment là, qui était tout à fait intéressant. Côté même, il était arrivé imposé, je veux dire, à Pékin. Et sélection Ibekla, les mêmes, vraiment là. Et surtout, qui t'a mené par Ricky Rubio, et qui était vraiment impérial, mesdames et messieurs, fait près. Et il s'est lui-même, logiquement, nommé MVP pour tout dans ça, lui-même, vraiment, mesdames et messieurs, la France, lui-même, vraiment là, qui était échoué. En demi-finale, vraiment là, mais la France même, qui est arrivé à Boston, mesdames et messieurs, c'est la France qui est qualifiée pour Coupe du Monde, pour Jeux Olympiques, par exemple, pour fête dans le pays Tokyo, mesdames et messieurs. Bon, et pour terminer là, et pour les amis et Côte d'Ivoire là, et de Doba, c'est lui-même là, et qui pensait vraiment là, pour être capable de poser candidat, il est là pour capable briguer un poste président fédération. Ivoirien de football là et Didier Nova, monsieur lui-même, vraiment c'est un joueur qui est tout à fait intéressant. On vit de patenter et monsieur lui-même qui est ancien capitaine Côte d'Ivoire et monsieur lui-même qui pensait être capable de briguer le poste pour ça il concernait la tête fédération ivoirienne de football. Mesdames et messieurs, d'après pour nous suivre, mesdames et messieurs, la coupe de salé Côte Paul Moïse. Depuis Belgique, les mêmes, belle et bien connectée avec nous là, Coach Paul. Nous allons, Zombie Pam. Mesdames
Mais c'est pour nous terminer, nous avons un coup de pied, notamment dans le pays d'Haïti lui-même, côté championnat lui-même qui a avancé, et surtout résultat partiel, et nous gagnons là, notamment équipe équipe Wanamet lui-même qui a mené un goal à 0, mesdames et messieurs, Wanamet. Et Wanamet qui a mené un goal à 0, mesdames et messieurs, dans le compte qui a joué là, mesdames et messieurs. Wanamet qui a mené un goal à 0 sur l'équipe d'Ombosso de Pétionville. Ce n'est pas Lolo lui-même qui arrivait à marquer pour l'équipe pour équipe Wanamet là. Et gagner là tout, notamment. Et Akaye, Racing Football Club, dès qu'on arrive, on concerne lui-même, c'est 0 but partout, mesdames et messieurs. Dans ça, il concerne le championnat national de la première division dans le pays d'Haïti. N'a pas rappelé que Haïti, ou même vraiment là, qui parle là, match pour ça, il concerne les Jeux Olympiques de moins de 23 ans. C'est à partir de 22 septembre qui a venu là, côté nous parle là, dans le stade Silvio 14. Sélection de moins de 20 ans et côté au balien là, puis rencontrer avec Babad dans match de barrage, mesdames et messieurs. Nous croyons que c'est là que nous mettons bout dans l'espace Vision Sport Magazine. Nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous. Nous espérons que nous allons retrouver vous dans une autre édition. C'est pas donc l'univers des sports mercredi prochain. Si vous voulez, nous l'avez, mais pas oublier, surtout gagner match championnat là, vraiment qui avance, mais pas oublier là, et surtout dans la Coupe Haïtienne toujours. Qui rencontre, nous capables de rester connectés et si le réseau internet n'a pas de problème, nous capables toujours rester connectés à Saint-Louis TV et partager, abonner à la télévision lui-même, vraiment là, n'importe quel moment, qui est ça que nous là, vraiment là, écoutez, vous capable de gagner notification là en temps réel. Et nous remercions tous les amis là, toutes les fatigues vraiment qui t'ont suivi de près ou de loin, nous espérons que nous allons retrouver vous dans une autre édition. Merci bien. Allez, bonjour, bonsoir à tout le monde. Côté, on va retrouver vous dans l'autre édition. Ciao, à la prochaine. C'était donc Zami Paul Foot Boutiste qui t'a servi. Allez, merci bien. Ciao, à la prochaine. Tous ces cœurs et nous pas faire.
Bébé tête li pour le cas cool. N'ap kon gage nan n'importe poule. Pas besoin le kaïtia pour n'bay bon boule. Depuis Haïti écrit sous papio. Pas jamb baissé tête en sous trap yo. Fem sens et force là, chante babio. Eviti, soufier de drapeau. Mettez les femmes dans des voies nous mêlés. Depuis c'est Haïti qui l'amène qu'on est l'autre mêlé. Fait m'en foutre les mains, on fait l'équipe mêlé. Eviti, on doué les gueules à dire que fata pour mêlé. Olé, olé, olé. Pote volé, olé. Frappé, men, flotte drapeau. Pote gâteau, pote roulé. Bébé tête li pour le cas cool. N'a pas qu'on gagne dans n'importe poule. Pas besoin le kaïtia pour n'bay bon boule. Depuis Haïti écrit sous papio. Pas jamb baissé tête en sous trapio. Fem sens et force là, chante babio. Eviti, soufier de drapeau. Vénérer les femmes dans des voies nous mêlés. Depuis c'est Haïti qui l'amène qu'on est l'autre mêlé. Fait m'en foutre les mains, on fait l'équipe mêlé. Eviti, on doué les gueules à dire que fata pour mêlé. Olé, olé, olé. Pote volé, olé. Frappé, men, flotte drapeau. Pote gâteau, pote roulé.